Bonsoir à tous, merci pour les enfants, vous pouvez les applaudir et les encourager. Bonsoir les enfants, comment ça va? Tout le monde va bien? Salut Dark Vador, ça va? Bon. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir pour notre dernière émission avant les vacances d'été. Nous avons décidé d'inviter et de donner la parole à ceux qui seront les adultes de demain. Ils sont à l'âge de tous les possibles, à l'âge où l'imagination est au pouvoir, où le rêve et la réalité sont encore compatibles. À leurs yeux, vous allez l'entendre et vous le voir, rien n'est impossible. Ils se laissent bercer par leurs illusions, tandis que nous, adultes, sommes trop souvent empêtrés dans nos désillusions. La vie est ainsi faite, c'est normalement à nous de leur apprendre la vie, de leur montrer le chemin. Ce soir, on va essayer d'inverser les rôles, s'inspirer de leur vie pour mieux comprendre la nôtre. Bonsoir les enfants, merci de nous embarquer dans votre monde pendant les deux heures de Ça se discute. Le sommaire en images. Maintenant, place au spectacle. Elle aime tout ce qui est star, tout ce qui est chanson. Mais en tout cas, à la maison, elle fait que ça. Regarde souvent dans la glace. Ouais, toujours. Tu peux garder la boîte si t'as envie. Ça représente notre amour, comment on s'aime, à quel point on s'aime. J'ai épousé un chinois pour que j'aie des enfants comme ça. Quand j'ai vu à l'âge de 1 an Chantal et Goya, je me suis dit waouh, ça c'est pour moi. J'aimerais que tu viennes dormir chez moi pour les grandes vacances. J'espère que tout va bien, tu me manques beaucoup, je t'aime. J'espère aussi qu'on pourra faire des petits bisous en secret. Mon spectacle, il vaut 10 euros, 3 chansons, 10 euros. Et ça, c'est du poisson chinois? Non. Ils sont en train de faire dodo? Oui. Je colle un peu des assiettes un peu partout parce que j'aimerais que tout le monde puisse y venir et m'admirer. Waouh! J'aime pas trop être habillée n'importe comment. Je suis en train de me concentrer. Serge, c'est toi! Tu n'es plus chinoise que des vraies chinoises. Oh, merci beaucoup. Moi, je laisse jamais tomber. Je sais que tout au fond de moi, je vais devenir quelqu'un. Alors, Emmanuel, tu veux devenir quelqu'un? Qui tu veux devenir? Un danseur. Un danseur. Un danseur comme qui? Comme une actrice qui s'appelle Chantal Goya. D'accord. Depuis quel âge tu veux devenir danseur? Depuis un an, j'aimerais devenir un danseur. Depuis un an ou depuis l'âge d'un an? Depuis l'âge d'un an. Depuis là, comment ça se fait ça? Comment Parce ça s'est passé? Que quand j'ai été à un concert de Chantal Goya, je me suis dit waouh, ça c'est pour moi. Et tu t'es dit je vais être danseur. Et depuis tu danses? Tu fais des spectacles? Tu fais payer tes spectacles? Oui. Combien? 10 euros. T'as une amoureuse? Tu nous en parleras tout à l'heure. On va donner la parole à Margot et Rémi qui sont deux amoureux. Bonsoir tous les deux, vous allez bien? Oui. Vous avez 8 ans? Oui. Bah oui. Tous les deux? Oui. D'accord. Vous êtes amoureux depuis 2 ans? Oui. Où est-ce que vous êtes rencontrés? À l'école. Vous êtes toujours... Elle. D'accord. Vous êtes toujours à l'école ensemble? Oui. Vous êtes toujours assis à côté? Oui. Oui. Pas tout le temps. Pas tout le temps quand même. Quels sont vos projets ensemble à tous les deux? Ben, qu'on se marie, qu'on veut se marier et qu'on va avoir des enfants. À quel âge voulez-vous marier? 29. Et toi? 29. T'es d'accord aussi là-dessus? Sur les enfants, vous êtes d'accord aussi? Oui. Combien? Deux. Garçon ou fille? Les deux. Ah. Comment ils vont s'appeler? Sarah et Lucas. D'accord, très bien. Je vous présente maintenant Fiona. Fiona qui a une tenue un petit peu spéciale ce soir. Très jolie tenue. Merci. Avec des lunettes de soleil. Pour ceux qui n'auraient pas compris, est-ce que tu peux nous dire en quoi tu es déguisée? En agent secrète. D'accord. Donc les lunettes de soleil, c'est pour qu'on ne te reconnaisse pas? Oui. Tu veux devenir agent secrète plus tard? Pourquoi? Bah parce que c'est mon métier préféré et que j'ai eu mon actrice préférée et je l'aime. C'est qui ton actrice préférée? Angelina Jolie. Ah oui. Donc Lara Croft. Voici donc la nouvelle Lara Croft qui est avec nous ce soir. Je présente également Manon. Dis donc, tu es joliment habillée. Toi aussi, tu as quel âge, Manon? J'ai 9 ans. 9 ans. Tu es déjà très calée sur la mode? Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'être bien habillée? Parce que pour l'école, faut pas être habillée comme Gitane.
comme une gitane. Mais c'est, tu veux être habillée pour te plaire à toi ou pour plaire aux autres? Pour plaire à moi et aux autres. Et aux autres aussi? Oui. Aux garçons? Oui. T'as un copain? Oui. Amoureux? Oui. Il s'appelle comment? Julien. Il s'habille bien, lui? Oui. Ouais. Il est branché? Oui. Ouais. Toi aussi? Oui. Alors, de l'autre côté du plateau, je vais vous présenter Anouk, qui est avec nous. Tu as quel âge, Anouk, toi? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et toi, tu n'as pas tout à fait les mêmes goûts que les petites filles de ton âge? Bah, c'est ce qu'on... Enfin, moi, c'est ce que je ressens, parce que... moi, j'aime bien l'opéra, et les autres préfèrent la mode, et moi, j'en ai... Moi, ça m'est un peu égal, donc... La mode, c'est quoi pour toi? Bah, pour moi, c'est mon look à moi, ce qui me plaît à moi. Et j'en ai rien à faire de la vie des autres. D'accord. Tu as des amis, quand même? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'opéra? C'est que, bah, j'ai deux passions, c'est le chant et le théâtre. Et puisque le théâtre, enfin l'opéra, c'est du théâtre chanté, bah, je peux faire mes deux passions ensemble. Ah, c'est les deux mélangés, quoi. Voilà. Tu te poses beaucoup de questions, comme les adultes, sur le monde qui t'entoure. Qu'est-ce qui t'inquiète sur le monde qui t'entoure? Qu'on se moque de moi quand j'assume mes désirs. Quand, par exemple, il y a une cavalcade samedi. Et j'aimerais bien me déguiser. Le problème, c'est que personne ne se déguise dans ma classe. Je pense que je vais être la seule et j'ai peur qu'on se moque de moi. Tu voudrais te déguiser en quoi? Je sais pas. Non, t'aimerais te déguiser, quoi. Voilà. Et tu penses aussi beaucoup aux autres, à l'injustice, à la pauvreté dans le monde? Oui, j'ai quand même assez pitié des gens, des mendiants. Oui. Donc tu penses à des choses sérieuses. Tu as l'impression d'être encore un enfant ou déjà une petite adulte? Encore une enfant. Encore une enfant quand même. Hein. À côté, c'est Merwan. Oui. Salut Merwan. Salut. Comment ça va Merwan? Bah ça va. C'est quoi ton rêve, Merwan? Bah c'est de devenir comique comme Jamel Debbouze. D'accord. Tu imites Jamel Debbouze? Oui. T'as une blague sur Jamel Debbouze? Oui. C'est les blondes. D'accord. Raconte. Bah c'est une femme qui s'appelle Gisèle. Oui. Et les blondes. Oui. Et je l'imite. Montre. Ça va Gisèle? C'est marrant, Marwan, non? C'est rigolo. Tu as quel âge? 8 ans et demi. 8 ans et demi. Donc tu aimes Jamel Debbouze? Oui. Et Brice de Nice aussi, Jean Dujardin? Ouais. Tu l'imites? Oui, je peux l'imiter. Oh, bah, je t'en prie. Casse! Casse de Brice! Et quand Brice de Nice drague les filles, ça donne quoi? Ça biche, ma biche. Et ça marche auprès des filles? Ça plaît? Des fois, il se prend une baffe, mais des fois, ça va. Et quand tu dis des fois, il se prend une baffe, tu parles de toi aussi? Tu prends une baffe parfois, toi? Ben, oui, des fois. Enfin, des fois, quand je drague, oui. Ça arrive, hein. Alors, à tes côtés, tu as rencontré Lauriane? Vous êtes dit bonjour? Pas encore? Alors, Lauriane, Merwan, bonjour Lauriane. Oui. Comme tu es jolie. Ben, mon rêve, c'est d'aller vivre en Chine. Ben, je sais déjà parler un petit peu en chinois. Je sais dire bonjour. Comment on dit? Mi hao. Mi hao. Et puis, ben, j'adore la Chine. Tes parents sont chinois? Ah non. C'est ma maman qui est péruvienne et mon papa, il est français, moi aussi française, mais mon rêve, c'est d'aller aller en Chine. Et d'habiter en Chine? Oui. De te marier avec un Chinois? Oui, et d'avoir des enfants chinois. Et comment ça s'était venu, cette idée-là? Ben, par mon cœur. C'est mon âme, tout ça, quoi. Et j'aimerais bien avoir les yeux, savoir lire, savoir parler. Les yeux, comment? Comme ça. Montre comment ça fait. Et montre à Merwan si c'est joli. Comme ça. J'ai une mongolienne. Moi, je trouve ça très joli. Alors, à tes côtés, c'est Cindy. Salut, Cindy. Salut. Jean-Luc. Moi, c'est Jean-Luc. Moi, c'est toi, c'est Cindy. Tu as quel âge, Cindy? 5 ans et demi. Est-ce qu'on doit t'appeler Cindy ce soir ou princesse, Cindy? Princesse. Princesse, Cindy. Quel métier tu voudrais faire, princesse Cindy, plus tard? Je voudrais faire soit docteur, ouais, soit couturière ou soit maîtresse. D'accord, t'as pas encore choisi. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de docteur, par exemple? Parce que je sais comment on fait déjà, et couturière, ma sœur, elle va m'apprendre. Ta sœur de 14 ans. Bonsoir. Bonsoir, Dark Vador. Je suis ton père.
Ah, tu m'as bien eu, toi. Qui se cache derrière ce masque ? Anakin ou Matisse ? Matisse. Matisse, c'est toi. Qu'est-ce que tu penses de la princesse qui est à côté de toi ? Elle est belle. Elle est belle ? Tu pourrais être amoureux d'elle ? Non, mais je suis déjà amoureux d'une autre fille à mon école. Qui s'appelle comment ? Léa. Elle aime bien que tu te déguises en Dark Vador ? Elle aime pas. Elle aime pas ? Non. Elle a jamais, mais de quoi elle a jamais vu Dark Vador ? Mais elle va déménager. Elle va déménager, mais pas loin. Mais de quoi pas loin ? Tu habites où ? À Montpellier. Ah ouais, t'as un joli accent de l'Hérault. Oui, à Montpellier. J'ai venu à Disney. Pour venir à Disney, là, mais papa et maman, on pouvait en passer dans la Disneyland. D'accord, pendant qu'on y est. Pourquoi tu es habillée en Dark Vador ? Parce que j'aime bien l'espace. Et quand je suis végane, je vais devenir cosmonaute. Et aujourd'hui, tu es venu en fusée ? Non. Tu es venu comment ? En avion ? Non. En train ? Non. En voiture ? Oui. Ah, d'accord. Oh. Oh. Non, avec Mickey. Ah. Il est où, Mickey ? Il m'attend dans la voiture. D'accord. Alors, notre spectateur privilégié de ce soir va avoir du boulot. C'est un ex-Robin des Bois, un des comédiens les plus fins de sa génération. Il est à l'affiche du film Nos Jours Heureux, qui sort aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Jean-Paul Rouve, mon copain. Salut Jean-Paul. Bonsoir. Alors Jean-Paul, dans ce nouveau film, tu interprètes le rôle d'un directeur de colonie de vacances. Voilà. Donc avec plein d'enfants autour de toi. Plein, beaucoup plus même que sur l'affiche, on peut tous les mettre, sinon il fallait me faire une affiche comme ça. Par rapport aux enfants que nous avons ce soir, c'était le même genre d'ambiance ? Ah, c'était à peu près pareil, oui. C'est à peu près pareil, parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'il y avait une caméra, qu'on faisait un film. Ouais. Et je joue le directeur, mais quand ça coupait, ils pensaient encore que j'étais le directeur. Donc ils me disaient, est-ce qu'on peut aller faire pipi, monsieur ? Ouais. c'était ça tout le temps. Est-ce que vous trouvez qu'il a une tête de directeur, Jean-Paul ? Oh, oui, non. Oui ? Oui, non. Non, non, non. Non, 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 pourquoi ? Non, parce qu'il... Il a pas la tête. Ça dépend. C'est logique. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une émission sur les rêves des enfants, Jean-Paul ? Moi, c'est fascinant. Parce que ça se rapproche du métier d'acteur un peu. On voudrait faire ce qu'ils font là au naturel. Quand t'es acteur, c'est ça que tu cherches à refaire. C'est-à-dire oublier tout et pas avoir conscience de ce que tu es encore dans la société. Et c'est fascinant. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en les écoutant, je me retrouve. Enfin, il y a des choses qui reviennent un peu, des souvenirs. Et l'enfant qui est en toi se réveille. Ouais. En moi, c'est pas loin, j'espère qu'en vous aussi. N'hésite pas à intervenir pendant l'émission. Jean-Paul, je me permets de le tutoyer, on se connaît depuis très longtemps. On va donner la parole, maintenant on va commencer cette émission avec Margot et Rémi. Avec le reportage, on a fait un reportage avec vous. Vous vous souvenez ? Oui. C'était un beau reportage d'ailleurs. Oui. Alors rappelez-nous, depuis combien de temps vous êtes amoureux l'un de l'autre ? Deux ans. Qu'est-ce qui a été parlé à l'autre la première fois ? La première fois c'était moi et après c'était elle. Qu'est-ce que tu lui as dit quand tu étais lui parler ? Je lui ai dit des choses, mais je ne lui ai pas avoué tout de suite que j'étais amoureux. Je l'ai avoué sur MSN, à l'ordinateur. D'accord. Donc tu as été petit à petit ? Voilà. Et tu avais peur de lui dire que tu étais amoureux ? À l'école, devant la récré, oui, un peu, parce qu'il y avait mes copains et tout ça, donc... Ouais. Donc on peut avoir peur des réactions des copains. Voilà. Puis tu as peut-être peur aussi qu'elle te dise qu'elle t'aime pas, elle. Bah oui, ouais. C'est pour ça que je voulais l'avouer sur MSN. Ouais, c'est plus facile quand on est caché derrière l'ordinateur, hein, quand même. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle m'a répondu qu'elle aussi, elle m'aimait et... C'est vrai ? Oui. Et puis voilà, et puis c'est le début de votre histoire et ça fait deux ans. On ressent quoi quand on est amoureux ? Quand on ne voulait pas le dire et que c'est l'autre personne qui le dit, on est soulagé parce que j'étais un peu timide de le dire. Ouais. Margot, elle dit que tu entoures son cœur d'amour. Oh. Oh. C'est beau ça, hein ? T'es content ? Oui. Ouais. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils sont contents. Ils sont là ? Oui. Ils sont là. Ouais, on va leur donner la parole dans quelques instants. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux ? Ça veut dire qu'on a avoir des sentiments et qu'on aimer s'aime. Aimer quelqu'un. Mathis, tu es amoureux, toi ?
Oui. À mon école, dans ma classe, quand il avait qui, toutes les filles de ma classe, ils courent à appeler moi pour me faire des bisous. C'est ça, ça c'est la bogosité, ça. Hein. Alors on va regarder ce reportage avec Margot et Rémi. Donc une de nos équipes est venue rendre visite à Rémi et Margot, amoureux donc depuis 2 ans. Difficile de les décoller l'un de l'autre. Vous êtes dans la même classe, vous habitez tout près, hein, à quelques mètres l'un de l'autre. Vous faites même vos devoirs ensemble, si c'est pas de l'amour. C'est un reportage de Charlotte Attrie et de Sarane Lazarabal. Image. Quand est-ce que tu veux qu'on aura un bébé? Pas trop tard, parce qu'après, on va être des vieux parents avec un tout petit bébé. Moi, j'aurais dit 28, comme ça, on pourrait se marier à 29. Moi, je préférerais avoir un garçon. Un garçon, c'est meilleur. Meilleur? Ouais. Moi, je préfère une fille parce que c'est plus sage et... Ouais, mais aussi un garçon. Moi, j'aime un garçon parce que c'est plus sportif. Une fille, c'est pas sportif. Et je fais de la gym, moi. Hein. Bah, il faut qu'on a les deux avis, pareil. Bah, choisis. Bah, et toi, tu choisis pas. Vous savez comment on fait les bébés? Non. Oui. J'en ai aucune idée, moi. Tu sais pas comment on fait les bébés? Promis. On t'a jamais appris comment on fait? Non. Ah, d'accord. J'ai tout compris. J'ai compris. D'accord. Je le dirai pas. Margot et Rémi sont inséparables depuis la maternelle. Ils ont seulement 8 ans, mais ils ont déjà tout prévu. Mariage, bébé ou programme des prochaines vacances. Mon amour, j'aimerais que tu viennes dormir chez moi pour les grandes vacances. J'espère que tout va bien, tu me manques beaucoup, je t'aime. Comme on est petit, je le vois que la journée. Alors j'avais envie qu'il vienne dormir pendant les grandes vacances, pour qu'on soit ensemble, parce que quelquefois la nuit, il me manque. Heureusement pour Margot, Rémi habite à quelques pas de chez elle. Elle peut donc lui porter des lettres dès qu'ils viennent de se quitter. Mon amour, tu me manques beaucoup, je t'aime. Merci, c'est génial. C'est génial d'aller dormir chez Margot parce que déjà ce sera la première fois que je vais aller dormir chez elle. J'espère aussi qu'on pourra se faire des petits bisous en secret. Je vais les ranger dans la boîte à trésors avec les autres lettres. Si je les range pas quelque part, je vais les perdre et tout ça. Et si je les perds, ben Margot elle va pas être trop contente et après ben elle va me laisser comme ça, elle va chercher quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, aucun risque de rupture à l'horizon. Surtout que Rémi sait se montrer indispensable et attentionné. Comme ça, tu vas pas avoir peur. Allez, Popo, avance. Rémi, pas trop vite. Popo, avance. Oui, il s'appelle comment, lui, pour que je lui dise. N'aie pas peur, Margot. Tout ce que je te demande, c'est de rester droit, voilà. D'accord. Bah alors, je suis qu'on a de l'équilibre. Allez, Margot, vas-y. Très bien. Attention, tourne un peu, tourne. Bah, c'est super. Tu le caresses normal, et si tu veux aller lui caresser ici, j'ai été là pour rester avec elle. Et pourquoi? Mais pourquoi il me suit? Elle n'a pas été stressée. Rien. Alors, comme ça, elle n'a pas été stressée. C'est vrai ce qu'il dit. Le fait que Rémi était derrière moi, ben, je me sentais protégée. Bah, allez, ça sera sur moi. J'ai un cadeau à t'offrir. Okay. Tiens, pour toi. Oh, merci Rémi. De rien. Tu peux garder la boîte si t'as envie. Et voilà. Merci. Il est beau. Ouais. Ça représente notre amour. Comment on s'aime. À quel point on s'aime. Je te trouve meilleure avec son collier, c'est plus beau. Et en plus, c'est couleur or. Je sais pas si t'aimais bien. Bah si, j'aime bien. Tiens, on va voir tes chevaux. Est-ce qu'on peut faire les devoirs, les enfants? Oui. On va commencer... Margot et Rémi profitent d'être dans la même classe pour réviser à deux. Apparemment, c'est une méthode efficace puisqu'ils sont les premiers de leur classe. Les QU, bah oui, c'est ce que... Et alors, ça donne quoi?
Mademoiselle Margot. Alors là, l'hiver, c'est bon. Orthographe, t'as fait une faute. Il manque un H. Orthographe. Ah oui. Oh, mais j'ai fait la même erreur. Humain. Oui, il faut que je compte. Vous êtes des vrais amoureux, vous faites les mêmes fautes. Requin, c'est bon. Ça les motive de faire leur devoir ensemble ici. Et on se rend compte que si on a le malheur de dire quelque chose sur Margot qui ne plaît pas, il le prend mal, il pleure et il ne faut pas se moquer. Pour lui, il est amoureux. Il a même été regardé la définition du mot amoureux dans le dictionnaire. Oui, je suis amoureux. Moi, je suis amoureux de Margot et Margot, elle est amoureuse de moi. Margot ? Oui. Oui, c'est ça, moi je suis amoureuse de Rémi et lui il est amoureux de moi. J'espère pour eux que ça durera le plus longtemps possible comme ça. Pour l'instant, c'est très beau. Et c'est parti! Mes copains disent que je passe trop de temps avec toi. Ils veulent bien eux aussi que je passe un peu plus de temps avec eux. Quand je rejoue avec eux, ils disent non, tu joues pas, t'as passé trop de temps avec Margot. Donc moi je me suis dit qu'on pouvait faire 3 jours avec mes copains, 3 jours avec toi. Ouais. Aussi. Si tu voudrais. Ouais. Comme ça c'est mieux. Et comme ça, on passe un peu plus de temps à deux et un peu plus de temps avec nos copains et nos copines. Il n'y a personne qui peut nous comprendre parce qu'on est le seul couple dans l'école. C'est un peu normal qu'on a quelqu'un qu'on aime, on passe un peu plus de temps avec elle qu'avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop. Ben, on passe moins de temps avec lui. C'est un peu normal, moi je dis. Crevette, il est déjà 9h30, il faut faire dodo maintenant à puce, tu sais. Demain, c'est l'école. Hein. Oui, mais ton Rémi, tu le verras demain. Tu le vois toute la journée demain. Il te manque déjà. D'abord, j'embrasse les photos. Bah oui, d'abord, t'embrasses les photos de Margot, excuse-moi. Vas-y, je te laisse faire. Toutes les photos. Bah oui. Et la dernière. Ah. Tu y as demain, je vais ranger la boîte. Je la mets à côté de ton lit par terre. D'accord. Allez, donne un moment. Voilà, vas-y là. Tu me fais un bisou. Je vais te borrer, ma petite chérie. À demain. À demain. Tu vas rêver de ton amoureux. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Et tu rêves d'elle, des fois? Bah oui, j'ai fait un rêve de elle. C'est un rêve qu'on était à deux à Euro Disney. On avait fait tous les manèges du parc d'attractions. On se faisait des bisous dans le manège et on se faisait des câlins. Ah, j'aimerais bien qu'on aurait un lien à côté avec Rémi. Ah, je sais que t'aimerais bien, mais je pense que sa maman, elle aurait mal au cœur, tu sais, qui était toujours à côté. Allez, tu me fais un gros bisou. Maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Bonne nuit. J'espère que je vais rêver de Margot pendant la nuit. Encore? Oh bah oui, encore toujours. Margot? Bah oui, toujours. Pour l'instant, Rémi, tu vas rêver, mais il est l'heure de dormir. Je m'excuse, mais là, il est l'heure de faire dodo. Tu laisses Margot, elle est là, tu l'as embrassée, tu la verras demain. Voilà. C'est joli, non? Oui. C'est... Pourquoi tu voulais te donner ça? C'est du bonbon. C'est un cadeau? Ouais. Merci beaucoup, je te fais un bisou. Tu partages avec tes copains. D'accord. C'est gentil ça. Tu mets dans ma poche. Vous pensez à plus tard, vous avez fait des projets. Oui. La maison, vous avez prévu déjà? Une grande maison. Pas d'appartement. Pas un appartement? Non. Pourquoi? Bon, parce qu'un appartement c'est trop petit et si on n'a pas assez de place, ben. Ça ira pas pour mettre les meubles. Qu'est-ce que vous aimez comme style de meubles? On sait pas. Plutôt joli. Ouais. Vous pensez que vous allez habiter ensemble à quel âge à peu près? On avait prévu 25 ans. Vous êtes sûr de vous, hein? Ouais. Vous rêvez l'un de l'autre? Vous faites un bisou le soir avant de vous coucher? Enfin, un bisou aux photos? Oui. Et après, vous faites des rêves? Ben oui, quelquefois, oui, ça arrive. Par exemple? Ben, quelquefois, je rêve qu'on,
qu'on est à l'émission à deux et je crois que ça s'est produit. C'est vrai, t'as déjà rêvé de ça avant? Quand, il y a quelques nuits? Bah, ouais, quelques nuits. Qu'est-ce qui se passait dans ton rêve? Bah, qu'on était à l'émission et puis qu'on se débrouillait bien. Bon, bah c'est vrai que jusqu'à présent, vous débrouillez plutôt bien. Qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre? Ben, lui qui est beau et qui est intelligent. Et elle, qu'elle est intelligente et qu'elle est belle. Qu'est-ce qui vous déplaît parfois? Quelquefois, c'est quand il dit que les garçons, c'est meilleur que les filles. Ah bon, il dit ça? Ça leur fait tâche, c'est vrai qu'il avait dit ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que les garçons, c'est vrai que c'est plus sportif et c'est vrai que c'est plus ils ont plus d'endurance que les filles. Mais il y a des filles qui font du sport, hein. Je sais. Bah alors pourquoi tu dis que les garçons c'est meilleur que les filles? Mais parce que. Et les filles c'est mieux en quoi? C'est meilleur que les garçons pourquoi? En gym. Moi je dis ça en gym parce que les filles sont un peu plus souples que les garçons. Et à part le sport, qui est plus intelligent, les garçons ou les filles? Ça dépend parce que quelquefois il y a des garçons intelligents et quelquefois des ça dépend comment on travaille. Si on apprend bien nos devoirs. Si on fait pas nos devoirs. C'est quoi les qualités les plus importantes chez son amoureux? Faut savoir si c'est notre genre ou pas notre genre. Comment tu sais si quelqu'un est ton genre? Ben parce que je sais qui. Enfin, dès que je vois quelqu'un, je sais si c'est lui que j'aime ou si c'est quel garçon. On a des sentiments, quoi. Et moi, je me suis dit, quand on a des sentiments, ça veut dire qu'on est amoureux d'elle. Mmh. Et comme ça, c'est comme ça. Quelle qualité il faut avoir pour que tu tombes amoureuse? Ben, être jolie. Et bien s'habiller. Bien s'habiller, quand même, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je dirais pareil. Tu dirais pareil? Et toi, t'aimes bien les garçons comment? Intelligents. Ouais. Costaud? Oui, bien costaud. Mais costaud, c'est-à-dire? Bien musclé. Bien musclé comment? Fort? Très, très fort? Aussi un peu des abdos, des tablettes. Un peu des tablettes de chocolat. Ça te plaît, ça? Oui. Ouais. Et toi, Dark Vador? Quoi? Eh ben, qu'est-ce qui te plaît chez les filles? Moi, parce que les filles sont belles. T'aimes bien qu'elles sont jolies. Ouais. Déjà, mon amoureuse, elle m'a fait un bisou sur la bouche beaucoup de fois. Mon amoureux de l'école avant. Et maintenant, en fait, mon amoureux de l'école, il aime pas les filles. C'est-à-dire? Bah, il s'appelle Maxime et il aime pas les filles. D'accord. L'école. Chacun ses goûts, hein. Moi, je dois toujours l'attraper pour lui faire un bisou. Ah bon, il veut pas, lui? Ouais, il court. Il court dans tous les cerveaux à l'attraper pour lui faire un bisou. Toutes les filles sont follement amoureuses de Maxime. Mais qu'est-ce qu'il a, Maxime, de plus que les autres? Ben, ma maman, elle dit qu'il est un tout petit poussin pour moi. Ça veut dire et quoi? Et puis ensuite, bah, il est plus petit que moi. Ah bon? Mais toutes les filles sont follement amoureuses. Mais il est très beau. Oh oui, il court, on doit tout le temps courir derrière lui pour bah, lui il a de la chance, Maxime. Hein. Et vous, le couple légitime du plateau, est-ce que vous êtes déjà fait un bisou sur la bouche? Non, jamais. Vous attendez quel âge à peu près? 10 ans. 10 ans, ouais, non mais c'est bien, ça s'est organisé. Merwan, est-ce que tu peux nous dire quel est ton genre de fille? Blonde, mais pas blonde dans la tête. C'est-à-dire? C'est quoi blond des dans fois la tête? Brune. Mais blond dans la tête, ça veut dire quoi? Ben, c'est elles n'ont pas de cerveau. Ouais. Pas de cerveau. Comment ça se passe quand tu es amoureux d'une fille? Tu lui dis? Ben oui, je lui dis, mais des fois, t'as un peu peur. Comment tu fais pour lui dire? Tu utilises quel mot? Je t'aime. Ah, direct. Voilà. Je suis amoureuse de Maxime, toujours on lui dit, et après il dit, ah, il court alors. Ouais. Il court parce qu'il y a trois garçons qui... Parce qu'il y a deux garçons qui, tout le temps, ils nous énervent. Ils s'appellent Anthony et Quentin. Allez, tiens, prends qui, ça. Qui, tout le temps, et ben, ils nous énervent à l'école. D'accord. Ils nous empêchent de faire des bisous à Maxime, parce qu'en fait, ils sont trois. J'aimerais bien voir la tête de Maxime, moi, hein, quand même. Hein. Il a de la chance, Maxime, avec toutes les filles qui lui courent après. Tête ronde, ouais. Avec des yeux. Avec des yeux? Oui. Comment tu fais pour surmonter ton trac quand tu as un peu peur et que tu veux quand même dire que tu es amoureux? Ben, j'ai du sang-froid. J'ai du sang-froid et puis voilà. Alors, comment tu fais pour garder ton sang-froid?
Ben, je me dis, comme là, j'avais un peu le trac, mais je me dis, ça y est, je vais surmonter mon trac, quoi. Et ça marche ? Oui, ça marche. D'accord. Comment vous expliquez, Margot et Rémi, à vos parents, que vous avez tellement besoin d'être ensemble ? Ben, parce que quand on se voit pas, ben, on se manque. On se manque et quelquefois, moi, je fais des rêves éveillés tellement qu'il me manque. Rêves éveillés ? Quand il n'est pas là ? Ben, il est chez lui. Mais ouais. Quelquefois, quand on est séparés l'un de l'autre, on peut se voir sur MSN. On ouais. peut ouais. se parler. Se parler, c'est écrire au moins. Voilà. Ouais. Toi aussi ? Non, parce que, en fait, c'est que ma mère ou mon père qui vont sur l'ordinateur. Des fois, je joue sur la Xeblo. Je sais pas si tu connais, c'est une espèce de console sur l'ordinateur. D'accord. Des fois, je joue. Mais ma mère, elle parle avec ses copines. D'accord. Elle utilise trop l'ordinateur, quoi. Maman, elle va avoir des problèmes aux doigts, sinon. Et qu'est-ce que tu penses de la relation d'amour entre Rémi et Margot ? Ben, c'est un peu émouvant quand je les ai entendus, parce que c'est bien, c'est tant mieux pour eux, c'est bien, s'ils sont heureux. Oui, ils s'aiment tous les deux très très fort, t'as vu ? Ils veulent vraiment avoir des projets très précis, habiter ensemble, avoir deux enfants. Ben oui, c'est la vie, hein, s'ils ont envie. Oui, s'ils ont envie. On va demander ce qu'en pensent leurs parents, quand même. C'est Stéphane et Christophe, les parents de Margot. Est-ce que vous pouvez nous montrer ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, princesse ? Oui, qu'est-ce que tu dis ? Toujours mon amoureuse quand elle veut me faire des elle veut me faire un bisou, moi je cours parce que elle veut pas. Elle veut me faire des bisous sur la bouche, comme moi je veux pas, je cours. Elle court comme, tu cours comme Maxime, ouais, alors. Avec toutes ses copines, elles veulent me et faire pourquoi tu veux pas des bisous. Ah bon et, ouais. C'est lui Maxime alors. Et donc tous les filles, ils courent avec moi. Bah, dis donc, on veut faire des bisous. Mais c'est toujours les filles qui courent après les garçons, alors oui, qu'est-ce qu'il y a ? Et après, attends, Lauriane, parce que j'arrive plus là. Oui. Et Yokin et Bilal, ils les attrapent pour les empêcher de me faire des bisous. Non, les filles, elles aiment vraiment les bisous, oui, Lauriane. En fait, alors la maîtresse, elle interdit d'amoureux. Ah bon ? Dans l'école. Elle l'a dit ? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire des bisous. D'accord, ça c'est la règle à l'école. Elle a dit pas d'amoureux dans l'école. Et puis alors Yves, il s'appelle Yves, mon amoureux. D'accord. Alors je suis pas trop amoureuse de Maxime parce qu'il aime pas les filles. Bon ben, c'est tant pis, tant pis pour Maxime, il sait pas ce qu'il perd lui. Hein. Ben oui, alors... il perd des enfants, une bonne femme. Ouais, faut qu'il réfléchisse un peu Maxime avant de prendre des décisions comme celle-là. Hein. Stéphanie et Christophe, où êtes-vous ? Si vous pouvez lever la main, oui, merci. Quel regard vous portez sur la relation d'amour de ces deux enfants ? Pour moi, je trouve ça très mignon. Bah, ils ont 8 ans, donc pour moi, le plus important, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils vivent leur histoire à fond. Quoi. Comment ça a évolué en 2 ans ? Très rapidement, oui. Donc, dès qu'on va promener, il faut toujours aller chercher Rémi. Si on pourrait passer la vie avec Rémi, on la passerait avec Rémi. Vous avez toujours encouragé cette histoire, Stéphanie ? Ou est-ce que vous avez parfois essayé de freiner un peu les ardeurs de Margot ? J'essaye de la calmer un petit peu parce qu'elle a 8 ans. Et j'essaye de lui expliquer en fait que ça va peut-être pas durer toute la vie. Mais Margot, quand je lui dis ça, elle se fâche. Ah bon ? Elle est pas d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu en penses de ce que dit ta maman, Margot ? Ben, quand elle dit ça, je le prends mal. Mais quelquefois, je comprends ce qu'elle dit. Mais moi, je veux pas qu'elle dise ça parce que je suis vraiment amoureuse de Rémi. Qu'est-ce que tu comprends dans ce qu'elle te dit ? Ben, je comprends que c'est pas mon frère, alors faut pas qu'il vienne tout le temps avec nous. Oui, mais si un jour ça devient ton amoureux, vous pourrez rester tout le temps ensemble. Enfin, c'est déjà ton amoureux, mais quand vous serez plus grand, si je veux dire. Si on pourrait, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un chagrin d'amour ? Ben, pendant les grandes vacances, il me manquait très très fort, donc... Et puis là, bientôt, c'est les grandes vacances encore, hein ? Donc, ça va être dur, ça, non ? Mais cette année, je vais essayer de lui demander son numéro de portable pour l'appeler tous les jours. Bah, demande-lui. Mais je vais pas lui demander maintenant. Ah bon ? J'ai pas de papier pour le mettre. Ah bah tiens, tu veux un papier et un crayon ? Oui. D'accord, tiens, alors, attends, je vais te donner un morceau de papier. Hop, celui-là. Tiens. Mais je sais pas s'il connaît. Tu connais ton numéro de portable ? Non, je connais que mon numéro de téléphone. Je connais le numéro de portable à ma mère, par contre. Attends, d'accord. Sinon, je peux le noter. Ah, tu peux le noter, oui. Il fait des efforts d'écriture cette fois. Hein.
Pas mal. Merci. Ah, dis donc, on te l'a donné, hein. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre pendant les vacances? Si, c'est ça, moi, que je me dis, je sais pas si elle trouve quelqu'un d'autre et tout, donc... Bah ça, faut pas compter dessus, hein. Est-ce que toi, t'as peur qu'il rencontre quelqu'un? J'arrive. Oui. Oui? Qu'il tombe amoureux d'une autre fille? Bah oui. Ouais, ça c'est... C'est possible? Je sais pas. Quoi? Si mon genre combine un peu plus belle, ben. Quoi? Mais je croyais que t'étais très très amoureux. Oui, je suis très très amoureux, mais je veux dire, si je trouve quelqu'un un peu plus belle, ben. Mais il n'y a pas que la beauté qui est importante quand même, si? Mais je sais, non, il n'y a pas que la beauté. Mais enfin, les vacances, hein, quand même, hein, faut surveiller, hein. Tu sais quoi? Heureusement que t'as le numéro de portable. Oh mon Dieu, mais faut pas faire des larmes comme ça. Regarde, donc, fais-lui un bisou, regarde-le tout en larmes. Mais non, mais dis ça comme ça, c'est pas vrai, il va rester amoureux de toi. Non. Fais-lui un bisou, regarde. Fais-lui un bisou. Oh, essuie-lui ces petites larmes. Mais non. Oh, ça va être long les vacances, mais ça va être bien. Comme tu vas où en vacances? En Espagne. Tu vas au bord de la mer? Tu vas aller sur la plage et tout ça, mais tu vas t'amuser quand même. Ça va? Tu veux que je te fasse un bisou, moi? Non plus, hein, d'accord, très bien. Rémi, fais-lui un petit bisou sur la joue quand même, regarde. Mmh. Regarde ces petites larmes qui coulent. Ou tu t'excuses? Bah, je peux m'excuser. Bah, excuse-toi, alors dis-lui. Je m'excuse. Ah, on préfère ça, non? Ah, applaudissements alors quand même. Et bisous. Un bisou? Non. On va donner la parole à Anne-Sophie et Silvano, qui sont les parents de Rémi. Vous connaissez vos voisins, j'imagine, depuis quelque temps. Oui. Ce sont vos enfants qui ont fait en sorte que les parents se rencontrent. Voilà. Oui, alors comment s'est passé? Par la force des choses, par rapport à l'école. Donc on a su que Rémi, depuis le CP, est amoureux de Margot. Il nous a présenté tout de suite les parents à Margot. Comment vous a-t-il dit qu'il était amoureux? Oh ben, dès le départ, il n'y en avait que pour Margot, puisqu'il y a plusieurs petites filles dans sa classe. Et c'était tout le temps Margot. Margot, elle est jolie. Margot, elle me plaît. Ils ont les mêmes activités. Donc, c'est vrai qu'on entend depuis 2 ans Margot. Mais ils ne sont pas préparés à une rupture. La preuve... Vous avez entendu ce qu'a dit votre fils? Oui, là, ça m'a fait drôle fait aussi. Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps... Bon, je ne suis pas censée le dire, mais il a pleuré aussi. Parce que bon, lui-même n'est pas préparé à... À une éventuelle séparation, rien que pour les vacances. Ça devient une inquiétude pour les parents quand ça dure depuis 2 ans à cet âge-là, bah, parce que c'est long, là. Moi, contrairement à Christophe, c'est vrai que je commence à essayer aussi de le freiner, d'essayer de voir des autres copines, entre guillemets, juste copines, hein, je précise. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça devient de plus en plus pesant. Vous avez vu Margot dans quel état ça va? Oui, ça m'a fait drôle aussi. Oui, mais oh. Je ne sais pas si a réalisé, Rémi, ce que tu as dit. Plus belle que Margot, bon, c'est pas très gentil quand même. C'est pas très possible. Tu devrais surtout. Quand même lui faire un bisou sur la joue pour te faire pardonner, je pense. Allez. Un petit bisou. Allez. Allez. C'est pas très gentil. Bon, tu réfléchis. J'ai demandé à Mathis, un autre Mathis, une autre Mathis et Stéphane de venir nous rejoindre ici. Mathis et Stéphane. Alors Stéphane, c'est le petit garçon et Mathis, c'est la petite fille. Parce qu'on a un autre petit garçon qui s'appelle Mathis. Allez. Viens, ta maman. Vous pouvez venir avec eux. Venez avec eux, je vous en prie. Allez, des encouragements pour Mathis et Stéphane. Vous allez vous asseoir tous les trois là-bas. Vous mettez là. Bonjour. Mettez-vous dans le même fauteuil, vous serez bien. Voilà, comme ça la maman reste à côté. Très bien. Bonsoir à tous les deux. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait quoi? Depuis l'année dernière. Vous êtes amoureux? Oui. Comme Rémi et Margot un peu? Oui. Oui. Vous vous aimez très fort? Oui. Stéphane, tu aimes beaucoup Mathis? Tu l'aimes comment? Quoi? Tu l'aimes beaucoup comment? Quoi? Beaucoup. Comment? Comment beaucoup? Énormément? Et toi Mathis? J'aime beaucoup parce qu'il me dit des choses. Des choses? Qu'est-ce qu'il te dit comme choses? Des jolis trucs. Par exemple? Il te parle d'amour? Oui. Il te fait des bisous? Oui. Qu'est-ce que vous avez entre vous deux, là?
Qu'est-ce que c'est? Ah ouais. Comment il s'appelle ce bébé? Bébé Stéphane. Alors c'est un petit métis? On dirait que c'est un petit métis. Un mélange de blanc et de noir. C'est très joli. Qu'est-ce qui te plaît chez Matisse, chez Stéphane? Que la maison elle est rose. Sa maison est rose. Et tu le trouves joli? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il y a dedans qui est jolie. D'accord, dans son cœur. Et de ce qu'il y a dehors, sa tête? Marron marine. Ah oui. Et c'est joli ça? C'est très joli. Tu es marron marine. Tu es bien jolie en tout cas. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes tous les deux? Des jeux? Oui. Oui. Des bisous? Oui. Oui. C'est quoi cette chose que tu as à la main là? Qu'est-ce que c'est ça? Tu nous montres? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui... On se demande ce que c'est. Alors. Ah, c'est un dessin qui explique en fait plein de choses que je déchiffrerai un petit peu plus tard. Je te remercie beaucoup pour ce cadeau. C'est toute ma classe. C'est toute ta classe, bravo, c'est super. Oui. Oh, merci. Oh là, bah, c'est des belles photos. Hein. C'est avec mon amoureuse. Je ne sais pas si vous connaissez Samantha. C'est... Probablement. Samantha. Samantha, elle est là. Là. Tu la connais? Je connais. Tu la connais. Tu la connais, c'est mon amoureuse. Catherine, est-ce que vous pourriez nous dire, du haut de ses 4 ans, comment votre fille perçoit le sentiment amoureux? Bah, nous, on est très étonnés parce que depuis l'âge de 3 ans, effectivement, elle a des propos envers Stéphane qui sont... pour nous, parents, surréaliste. C'est-à-dire quand on lui a dit « Pourquoi tu aimes Stéphane ?», elle nous a dit « Il entoure ma vie de bonheur. Oh. »« Il entoure mon cœur d'amour aussi. » Ce sont vraiment des termes qu'elle nous sort très régulièrement. Et en plus, elle a, pas une appréhension, mais elle se pose beaucoup de questions au niveau de la couleur, la différence de couleur. Donc il y a ce côté marron marine, elle est beige. Ça lui pose beaucoup de questions après pour les enfants, pourquoi ils ne sont pas moitié-moitié. Ouais. Là, le Père Noël lui en a amené un, qui était donc marron marine. Pourquoi pas blanc? Ah ouais. Donc voilà, donc il y a en plus toute une interrogation au niveau de la couleur et de la culture différente qui est assez intéressante et ça vraiment ça l'interroge et ça lui donne encore plus d'amour. Du coup, elle n'aime que les personnes qui sont marron marine. D'accord, ça enfin, lui... moins que Stéphane. Oui. Ça lui ouvre l'esprit, vous pensez, culturellement? Ah oui, ah oui, oui. De toute façon, elle est par... enfin, la dernière fois, elle nous a dit les blancs ils bavent quand ils embrassent et pas les autres. Vous dites qu'ils vont jusqu'à fêter la Saint-Valentin? Oui, ils ont fêté la Saint-Valentin, bien évidemment. Comment ça? Comment vous dites? Ah bah ils sont venus chacun l'un chez l'autre avec le petit bouquet de fleurs, la rose, les chocolats, le petit bisou. Donc ça fait plus d'un an que ça dure? Ça fait un an et demi. Ça a été la révélation à l'école. Ils ont participé à une sortie ensemble et depuis... Dès le début de l'école, enfin dès le début de la maternelle. Ah oui, elle quoi. Est revenue de la sortie de l'école et elle nous a dit « Stéphane, il entoure ma vie de bonheur ». De là à dire que l'école est un grand club de rencontres, méfiez-vous les parents. Et en même temps, quand on voit une histoire comme ça, on a plutôt envie de l'encourager. Vous craignez, vous, la rupture, enfin que l'un se lasse de l'autre et du chagrin que ça peut causer? Non, je pense qu'ils sont un petit peu petits encore pour se rendre compte de ce genre de choses. Donc on va voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, c'est vraiment très très mignon. Ils sont mignons tous les deux et voilà. Comment tu t'appelles, toi? Mathis. Mathis, tu sais comment elle s'appelle, cette petite fille? Mathis. Bah oui, vous appelez tous les deux Mathis, c'est marrant ça, non? Pas la même orthographe. Est-ce que Mathis Dark Vador a une amoureuse? Ben oui. Elle s'appelle Léa. C'est ce qu'ils m'ont dit, tes copains. Ils m'ont dit que tu n'étais plus avec Léa, tu étais avec Élisée maintenant. Non. Avant, tu étais avec Léa. Oui, mais maintenant, je ne suis plus avec Élisée. Ah bon? Parce qu'elle est grande, elle n'est pas mon âge. Quel âge est-elle? Elle a quel âge, maman? Quel âge est-elle? Elle a quel âge? Elle a quel âge? 5 ans? 13 ans? 15 ans? Ouais, c'est un peu grand, 15 ans pour toi, quand même. Hein. Alors, je ne peux pas. Et donc, j'ai changé d'avis, je vais me marier avec Léa. D'accord. Qui a quel âge? Elle a quel âge, Léa? Je ne sais pas. 4 ans? 4-5 ans. 4-5 ans. Mais tu préférerais Alizée?
Moi, je voulais me marier avec Alizé, mais comme elle est coquine pour moi, elle est préférée me marier avec Léa. Mais ça arrive parfois qu'il y ait des grandes différences d'âge dans les couples, hein. Et que les femmes soient plus âgées que les hommes, et on est très heureux quand même. Tout sous dans la cour, elle veut que je joue avec moi. Léa ou Alizé? Alizé, elle n'est pas dans mon école. Ah, d'accord. Elle est dans une autre classe, dans une autre école. Tu lui as dit que tu l'aimais? Oui, mais elle parle pas beaucoup. Ah. Tu lui as dit que tu voulais être avec elle et tout ça? Oui, mais... Elle t'a répondu? Ah ben, ma paix. Elle m'a jamais répondu. Ah bon, jamais, d'accord. Elle a dit c'est incroyable, oui. Ça, quand même, non? Elle a jamais dit oui ou non. Elle a dit rien. Oui. Et alors, tu es retournée avec Léa? Oui. Est-ce que tu as parlé d'Alizé à Léa? Non. Non, non, c'est secret, ça. Si je dis à Léa qu'avant je l'aimais, Alizé, là, c'est sûr, elle va plus devenir Alizé. Ah, elle va plus devenir mon amoureuse avec moi. Hein. Ah, oui, ça, c'est sûr. Donc, tu fais attention, quoi. Tu protèges les secrets un petit peu, quoi. Et ici, ce soir, autour de toi, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît? Il me plaît à moi? Ouais. Mais moi, de tout, si elle me plaît, c'est... Margot? Et Rémi, ah ben voilà, hein. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si que Margot elle en pense, mais moi je veux pas qu'elle parte. Qu'est-ce que t'en penses, Margot? La même chose. Pourquoi elle te plaît, Margot? Parce qu'elle est belle. Ah oui, ça aide. Est-ce que tu es sûre que le costume de Dark Vador plaît aux filles? Non. Ben, je sais, ça plaît pas aux filles. Hein. Ah bon. De quoi tu as peur, toi, Marwan? C'est-à-dire que, par exemple, dans Robin des Bois, le film, il y a une sorcière avec des longs ongles, des cheveux tout gris, on dirait qu'elle a et c'est tout blanc son corps et elle a des cheveux gris, celle-là, elle me fait peur. Ça, c'est dans un film, hein? Ouais. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui te fait peur? Les pédophiles. Ah bah, tu as raison. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, dans la vie? Moi, ce qui me fait peur, j'ai un peu peur, je sais pas de quoi j'ai peur, mais j'ai souvent peur que ça se passe mal avec mes parents. Avec tes parents? Oui, que ça, qu'ils se séparent. Qu'ils se séparent? Oui, mais ça, c'est pas mon problème. Après, moi, j'ai souvent peur quand je regarde des films d'horreur, après. Ça, c'est les films, c'est pas trop grave. Oui, mais ça, c'est normal aussi, les peurs comme ça. Ouais. C'est des films pour faire peur, en fait. Hein. Mais j'ai aussi peur qu'on voie mon intimité, donc ça me fait quand même assez peur, ça, souvent, mon intimité, que tout le monde sache. C'est-à-dire que qu'on connaisse tes secrets que tu as dans le cœur? Voilà. D'accord, je comprends. Mathis, de quoi tu as peur? De rien. De rien, ça, c'est bien. Et toi, l'Arlequin? Trois. Trois quoi? Des dinosaures. D'accord. Un film qui s'appelle Signe. Qui s'appelle comment? Signe. Je connais pas, c'est un film pour les grands, ça, non? Mais les deux chambres regardaient ça. Alors je pouvais aller dans aucune chambre. Mais dans quelle chambre? Où ça? Alors c'était aux États-Amériques. Il y avait mes frères qui regardaient ça et les autres aussi. Aux États-Amériques? C'était en Amérique. En Amérique. T'étais en Amérique, toi? Ah oui. Et la troisième chose qui te fait peur? Et la troisième chose, c'est les araignées. Les araignées, oui, ça, les araignées quand même. Attention, Manon, t'as peur de quoi, toi? Des cafards et des serpents. Des cafards et des serpents. Est-ce que tu te poses des questions sur la vie, Fiona, toi, sur ton avenir? Pourquoi les filles sont différentes de les garçons? Par exemple, différents comment? Au niveau des cheveux. Mais d'accord, il y a des garçons qui ont les cheveux longs, mais pour moi, ça me plaît pas trop. Ah bon, t'aimes bien les garçons avec les cheveux courts? Oui. Les garçons en garçons, les filles en filles? Oui. Et les garçons, pas avec longs cheveux qui arrivent au dos, hein. D'accord. Tu mets tes lunettes comme ça, toi. Ça te va bien? Oui, c'est merci. Pas mal. Et puis tu chantes et tu danses? À l'émission Nice, j'ai dansé et chanté. Ça, c'était le concours des Minimis? Ça s'est bien passé? Oui.
Mais j'étais un peu déçue de ne pas avoir gagné. Ouais. Comment t'es venue cette idée de te présenter au Minimis? Ben, en fait, c'est ma mère qui m'a prévenue. Et donc, ben moi, je dis pas toujours oui à tout, mais je pense que ça va, que ça allait me plaire et ça a presque failli me, ça a presque failli me pousser. D'accord. Me presque pousser, failli. Ça t'a poussé ou ça t'a presque failli? Ça m'a poussé. Ça t'a poussé quand même. Ah, y aller. Donc tu viens, on va regarder le concours des Minimis. Tu connais le concours des Minimis? Non. Alors on va regarder ça en reportage tout de suite. Donc tu as participé à ce concours, tu as réussi à maîtriser ton trac. Tu as montré ton plus joli sourire. Et je me suis bien amusée. Et tu t'es bien amusée, ce qui est le principal. Miguel Gonan et Charlotte Attrée, leur reportage. On regarde ça. Tiens chérie, je vais te donner mon collier. Comme ça, quand tu vas chanter, comme si j'étais tout près de toi et de ton cœur. Ah oui, donc comme c'est... Comme ça, sur scène, tu ne seras pas toute seule. Tu vas dire que... Et quand je te verrai dans le premier rang aussi. Ouais. C'est pour que j'y arrive. Tiens, tu te retournes. Voilà. Merci, maman. Ah, c'est ça. Ce porte-bonheur ne sera pas de trop aujourd'hui, car à 6 ans et demi, Fiona s'apprête à vivre un très grand jour. Pour la première fois, elle se présente au concours Minimis France 2006. En jeu, non seulement un titre qui l'a fait rêver, mais aussi le droit d'enregistrer son premier CD. Et comment t'imagines cette journée? Bah que j'arrive dans la salle, on fait le défilé, je suis la plus belle, je gagne, j'enregistre le CD, et après on va à Lyon, comme tu l'avais dit, pour le fêter. Sur le chemin, Fiona est déjà dans le concours. Bravo! Ah, ça y est, t'es prête? Je vais gagner. En tout cas, voilà, il faut que tu ailles en étant sûre de toi. Après, peu importe le résultat, mais quand tu y vas, il faut que tu sois sûre de toi. Et pour être élue Minimis 2006, il faut être la meilleure de plus de 60 candidates âgées de 6 à 13 ans. Au programme, présentation, défilé, chansons et danse devant un jury de professionnels. Fiona doit maintenant se concentrer pour défendre ses chances. Quand tu es sur scène, tu as toujours le sourire. Tu donnes tout ce que tu as, Fiona. C'est maintenant ou jamais. Tu t'es entraînée dur, chérie. Maintenant, l'heure H va bientôt arriver. Numéro 32. Bonjour, je m'appelle Fiona Le Guiriec. J'ai 6 ans et demi. J'habite à Conflans-Sainte-Honorine, près des Yvelines. Je vous souhaite une excellente après-midi. Comme Fiona, toutes les autres candidates sont venues ici avec un rêve. Devenir chanteuse. Et toi? Danseuse étoile. Moi, ce serait plus être dans des défilés de mode et tout ça. Donc... Entre deux passages, chacune enfile une nouvelle tenue et se fait encore plus belle pour convaincre les juges. Depuis l'âge de 1 an et demi, elle adore poser, prendre des poses, machin. Elle aime tout ce qui est star, tout ce qui est chanson, tout ce qui est le cinéma, etc. Mais en tout cas, à la maison, elle fait que ça, quoi. La journée avance et les épreuves continuent. Avec la fatigue, certaines commencent à craquer et oublient chorégraphie ou paroles. Paralysée par le trac, la candidate numéro 41 refuse tout bonnement d'aller chanter. C'est pas grave, si elle veut pas chanter, elle veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu, on s'amuse. Voilà. Hein, tu fais la folle, tu danses. Voilà, tu t'amuses. Hein, attention, t'as envie. Merci. Voilà, merci. Tu fais comme je t'ai appris, voilà. Tu fais la coquine et c'est le plus simple. Et tu fais surtout, tu fais... Tiens, faut pas oublier ça. Tu t'amuses et tu t'éclates, hein. T'as la pêche. Je sais que c'est toi. Ah.
Fiona, merci. Merci, c'est gentil, merci. J'avais peur pour elle, quoi, la pauvre. T'avais peur de quoi? Je sais pas, j'avais le stress à sa place, quoi. J'ai aimé. Prendre de toi? Ouais, mais au début, j'ai eu un peu le trac. Ça fait peur au début. Mais après, voilà, j'avais tout. Comme dans tous les grands concours, le sort de Fiona et des autres est maintenant entre les mains du jury, qui délibère pour désigner la grande gagnante 2006. Peut-être une future star. C'est la candidate numéro combien, Sandra? 49. 49 qui devient donc Minimis International. C'est Maeva Rocchi, la petite blonde corse. Chérie. Il y en a une, elle est en train de pleurer. Elle n'a pas compris que c'était un jeu. Je suis hyper fière de toi, t'as voulu être au maximum. Je t'aime. Bravo quand même, hein. Bravo, 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 hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La pilote c'est fini. La pilote c'est fini? Ouais. Oh, pas tout de suite encore, hein. T'es pas bien ici? Non, mais parce que je veux vite. Moi, j'en ai un peu assis. T'as envie quoi? J'en ai un peu assis. Mais tu peux aller faire un tour derrière si tu veux. Hein. Ouais. Je vais partir tout de suite. Ah bon? Ouais. Ils sont où tes parents? Ouais, là. Là? Tu attends encore un tout petit peu? Ouais. Ah oh, bah t'es gentil, hein. T'as vu, elle est déçue parce qu'elle n'a pas été élue Minimis, Fiona. Ouais. J'ai vu. Elle méritait, tu crois? Bah ouais, moi je trouve elle méritait, hein. Moi, je trouvais elle était très belle, cette chanson. Ouais, puis elle chantait bien. Ouais, t'as bien chanté quand même. Ouais, merci. Tu étais déçue? Un peu, mais c'est le début de la vie. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aussi à être courageuse. À savoir affronter. Courageur. Ou courageur, oui. À savoir affronter la défaite. Oui. Donc en fait, ce qui n'est pas très grave, c'est que toi, tu ne veux pas devenir chanteuse, tu veux devenir agente secrète. Est-ce que tu imagines ta vie d'agent secret plus tard? Tu aurais des super pouvoirs? Ouais. Lesquels? Je pourrais voler dans le ciel en monde. D'accord. Voler, me faire moins punir pour l'instant. Et être courageuse. Et être courageuse. Tu veux des enfants quand tu seras plus grande? Tu crois que c'est possible d'avoir des enfants et d'être agent secret? Trois. Trois, tu en veux? Deux, vous? Toi, tu veux des enfants? Oui. Combien? Trois. Trois aussi. Et toi, princesse, tu veux des enfants plus tard? Combien? Un seul. Et le papa? Je peux discuter quand ça va grandir. Qu'est-ce que tu dis? Je peux discuter quand ça va grandir. Ça se dispute? Bah ouais. Quand je vais voulez 12 enfants. 12? Ouais. Eh ben c'est pas mal ça. Ça va se discuter quand ça va grandir. Ça va se discuter quand ça va grandir, c'est ce qu'elle dit. Mes 12 enfants, je vais les envoyer, ça se discute. Je vais envoyer mes 12 enfants à cette émission. Hein. Eh ben, ils seront les bienvenus. Ouais. Ah ben, moi, si mes 8 enfants, s'ils sont pas bien tous les deux, tous les 8, et qui s'embêtent, et ben moi, j'en donne un à chacun. Fais une solution comme une autre. Ben ouais, mais sinon je les lance. Mais je les donne à quelqu'un d'autre. Mais on peut pas donner ses enfants, c'est pas possible, on les aime trop, quoi. Ouais, mais après, s'ils sont pénibles. Eh ben c'est pas grave, on fait comme si c'était pas grave, et puis on les aime. Je les mets au lit. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, mais ils s'y perdent dans le lit. Ben, je fais un vrai clé, je lui en mettrai une tarte. Tu penses que tu t'as déjà pris une tarte, toi, tes parents, ils te mettent des tartes? Quand tu fais quoi? Bêtise. Tu prends une tarte où? Sur les fesses? De temps en temps. Qu'est-ce que tu peux faire comme bêtise, par exemple? Casser quelque chose. Casser? Exprès? Non. Bon, c'est pas une bêtise très grave. Tu as vu Fiona qui chantait dans le concours des Minimis? Tu trouvais qu'elle chantait comment? Bien. Moi aussi, je voulais chanter une. Tu voulais chanter quoi? C'est une chanson de Noël. De? De Noël. De Noël? Ouais. Ben vas-y, c'est la saison. C'est quoi déjà? Dans un manteau
rouge et blanc, dans le manteau, dans le manteau, rouge et blanc, dans un kino. Portez pas le vent, il descendra par la cheminée. Petit garçon, tu vas bien si l'or d'aller se coucher. Bravo! Les yeux se voient, écoute les étoiles, tout est calme, reposé. Attendu, les clonettes tintinébulées. Et demain matin, petit garçon, tu te vas dans tes soupçons. Et lui, que tu as élevé, petit garçon, c'est l'heure d'aller survivre, d'aller se coucher. Bravo, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. À toi, Cindy. Alors, qui tu aimes bien? Tu aimes bien qui comme chanteur? Tu aimes bien qui comme chanteur? Est-ce que tu aimes bien Nougaro aussi? C'est Martin qui m'a dit ça. Tintin. Non, c'est pas ça, Nougaro. D'accord. Tu as pas tiré. T'es Nico, deuxième. Ouais, il faut mettre combien? Au quatrième? Quatrième. D'accord. Et voilà. Alors vas-y, on t'écoute. On t'écoute, princesse. Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir. Tellement peu de peau, oui, je veux voir le ciel. Tintin, l'oiseau, Tintin, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Applaudissements pour Princesse, bravo. Alors, on va voir qui sont vos chanteurs préférés. Qui sont tes chanteurs préférés, toi? Ben moi, c'est Magali. Magali, d'accord, de la Starac. Toi? Moi, j'ai Diane, c'est, j'ai Renaud, et aussi pour l'opéra, j'avais une chanson, mais je sais pas si. Vas-y. Heute Nacht wird keiner von uns schlafen. Heute Nacht ist überall Musik. Jeder Song, jeder Ruf, jede Straße ist verglänzt, dir schnell den Kopf verdreht. Süßer Wein, heller Wodka am Glasen und dein Tanz, der in die Beine geht. Bravo. Alors, les enfants, on va faire un exercice. Vous allez essayer de reconnaître les chanteurs qu'on va entendre. Allez, le premier. Diams, bonne réponse de Merwan. Ensuite. La chanson de Jean Dujardin. Merwan, tu peux danser, hein? Suivante. Est-ce que ta maman elle peut venir chercher ça? Bien sûr qu'elle peut venir. Je vais lui donner si tu veux. Je vais lui apporter. Allez, chanson suivante. Amel Bent. Oula. Ça aussi, il faut lui donner. Tu aimes, Margot, tu aimes bien Amel Bent? Je connais cette chanson. Qu'est-ce que tu aimes bien, cette chanson? Oui. Qu'est-ce qu'elle raconte? La lune. Viser la lune. Oui. Et que ça lui fait pas peur. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'elle a pas peur de viser la lune. Mais viser la lune, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire la regarder bien en face. Et, vouloir aller très haut, quoi. C'est ça. Et ça lui fait pas peur? Non. Et alors, c'est toi, Mel Ben. Chanson suivante. Shakira. Mais tout le monde connaît Shakira. Tu aimes bien Shakira? Oui. Toi aussi? C'est bon ça, hein? Plus fort, plus fort! Tu connais? Ta maman, elle l'a, c'est bien. Allez, on va demander à Vincent de venir nous rejoindre, un petit militaire. Vincent, viens ici, allez! Ça va, Vincent? Quel est ton grade de militaire? C'est-à-dire? Je sais pas, tu es sergent, caporal, capitaine?
Général ? Plutôt élève. Plutôt élève, élève militaire pour l'instant. Comment tu as voulu devenir militaire ? Parce que c'est ceux qui protègent le plus leur pays. Ouais. Et qui t'a donné l'idée ? Papy. Pourquoi, papy ? Papy, il était militaire quand il était jeune. D'accord. Et il t'a dit que c'était bien ? Oui. Il t'a montré son uniforme ? Plusieurs choses. Quoi d'autre ? Par exemple, ce t-shirt. C'est à lui ? Oui, il me l'a donné. Waouh ! Et le chapeau ? Il donne presque tous les trucs qu'il a sous la main de militaire. Et tout à l'heure, on posait la question de savoir qui a peur. Mais toi, tu n'as pas peur de devenir militaire ? Quand même, faire la guerre et c'est tout ça. C'est un peu dangereux, mais faut s'habituer. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand on est militaire ? Ben, faut se planquer. Ouais. D'accord. Quoi d'autre ? Il y a des choses difficiles à faire ? Oui. Quoi, par exemple ? Ben, de viser dans la nuit, c'est difficile. De toute façon, même si t'as une lampe sur ta carabine, ben, tu te fais repérer et t'es mort. Ouais. Non, c'est pas facile, ça. Hein. Ben, c'est pas facile du tout. Mais hein. T'aurais pas peur, quand même, qu'on te tire dessus ? Ben, normalement, c'est contre les règles. D'accord, bon, ok. Et si tu n'es pas militaire, tu feras quoi d'autre comme métier ? Footballeur. Ah. Là, c'est la Coupe du Monde, hein. FIFA 2016 plutôt. Si tu étais footballeur professionnel, pour toi l'important c'est de jouer ou de gagner ? Ben, de jouer, de participer et de faire de son mieux. D'accord, ben ça c'est pas mal ça. Et puis les footballeurs souvent ils ont beaucoup de succès avec les filles. Ouais, bof. Ben si. Tu as beaucoup d'amoureuses toi ? Oui. Combien ? 5. 5 ? Oui. Elles s'appellent comment ? Il y a Sarah, Camille, Auréa, Mélissa et Salomé. Et tu as dit aux 5 filles que tu les aimais ? Il y en a 3 qui savent pas et 2 qui savent. Et les 2 qui savent, elles savent que tu aimes d'autres filles aussi ou pas ? Non. Non, tu les caches enfin, tout ça. Enfin, que à Sarah. Que à Sarah. Et pourquoi tu en as 5 d'amoureuses ? C'est difficile à choisir parce que toutes les filles dans l'école sont craquantes. Mmh. Comment tu feras pour en choisir une plus tard, tu penses ? Je sais pas si je ferai un vote ou pas. Mmh. Faut réfléchir à ça. C'est pas facile hein, de trouver la bonne amoureuse. Hein. C'est pas facile, ça. Hein. Il y a Rémi et Margot qui ont trouvé. Il y a Stéphane et Mathis à côté de toi. Oui. Mais ils ont chacun un amoureux. Ils en ont pas 5. Non. Non plus. Je connais. Il y en a une. Je sais que fait son papa et sa maman comme métier. Il y en a qu'une seule. C'est qui, Sarah ? Non, Camille. Camille, qu'est-ce qu'ils font comme parents, comme métier ? Le père, il fait les pains. Boulanger, quoi. Et puis la mère, elle vend. D'accord. Ils sont boulangers ? Est-ce que... Non, c'est important, Vincent. Est-ce qu'il y a une fille qui fait battre ton cœur plus... Est-ce qu'il y a une fille qui fait battre ton cœur plus que d'autres ? Mais ça dépend. Ça dépend des fois ? Oui. Ça, c'est toute la difficulté de la vie. Tu verras, il y a des garçons chez qui ça continue plus tard. Ils savent pas très bien. Puis à un moment, il y en a d'autres qui arrivent à choisir. On verra comment tu te débrouilles. Lauriane, comment tu vas faire pour trouver un Chinois quand tu seras grande ? Je vais aller en Chine. Ah, oui. Je vais prendre l'avion qui aille en Chine et... Et puis voilà, je vais faire mes bagages et... D'où ça t'est venu cette idée-là, à toi, d'aimer autant la Chine que ça ? Ça m'est venu tout seul. Ça m'est venu tout seul. Qu'est-ce qui te plaît ? Les vêtements ? Les yeux, les vêtements, tout. La nourriture ? Oui, j'adorais ça. Qu'est-ce que tu aimes bien manger chinois ? Le riz cantonné. Oui. Puis ensuite, les raviolis, les brochettes de poulet. Ah oui, d'accord, tu connais bien. Attention, les Chinois, ils mangent avec une baguette. Ah ouais. Oh, bah oui, j'ai déjà appris. Mais c'est t'as vu, vrai et t'as oh, vu où elle c'est les... facile. Et t'as, vu ouais, où elle... et t'as vu où elle les met, les baguettes, Lauriane ? Non. Dans ses cheveux. C'est pas des baguettes pour manger, hein. C'est des baguettes pour... Oui, il y en a pour se coiffer et pour manger. D'accord.
Alors, je voudrais te poser une question. Si tu devais choisir entre vivre en France et vivre en Chine, tu choisirais quoi? Des fois en France, des fois en Chine. J'irai visiter la France et j'habiterai en Chine. Ah ouais, mais tu voudrais habiter en Chine. Alors, on va regarder ça. La production de Ça se discute a trouvé un guide pour te faire passer en fait une journée comme une petite chinoise. D'accord. Alors, vous avez été à Chinatown, à Paris, dans le 13e arrondissement, qui est le quartier chinois à Paris. Oui. Et là, tu as été donc promener, on t'a fait visiter toutes sortes de choses et on t'a fait découvrir un petit peu la vie à la chinoise. Oui. Ça t'a plu? Ça t'a déçu? Oh, ça m'a plu. C'est Maintenant, je sais boire le thé, je sais dire merci. Comment on dit merci? Comme ça, en tapant un petit peu sur la table. Et bonjour. Et bonjour, mihao. Mihao. C'était un reportage de Jean-René Chaperon et Lucille Martin. Ça va? Comment vas-tu? Bonjour. Ni hao. Je m'appelle Yuzhou, c'est mon prénom chinois. D'accord. Ça signifie petit bateau et je suis professeur de chinois à Paris. Faire de Lauriane une petite chinoise, c'est la mission de Monsieur Yu, alias Petit Bateau. Il a 24 heures pour réaliser le rêve de Lauriane, vivre comme si elle était en Chine. Il y a plein de surprises. Ah, des surprises. Oui, des surprises. J'adore ça. Oui. Toi, t'aimes bien les surprises? Oui. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Oui. Oh, c'est beau, les dessins. Est-ce que tu sais utiliser des baguettes? Je sais pas trop les utiliser. Tu peux d'abord poser une des baguettes sur la cuillère, ici, comme ça. Ici. Ensuite, tu... poses les deux. Tu la saisis la seconde comme un stylo. Avec une main. Avec une main. Oh. Mmh, c'est regarde-moi, très bon. Regarde-moi. Ah, bravo. Quand tu seras plus grande, est-ce que tu aimerais aller en Chine? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais épouser un Chinois pour que j'aie des enfants comme ça. Comme mes yeux, n'est-ce pas? Oui. Ah, chouette. Après le maniement des baguettes et la dégustation des raviolis, le professeur poursuit son enseignement culinaire. Tu sais ce que c'est? Lauriane? De quoi? Non. Des méduses salées. Et ça, c'est du poisson chinois? Non, ça, c'est pas tout à fait chinois. Ils sont en train de faire dodo? Oui. C'est quoi, c'est... Ça, c'est du riz. Touche un petit peu, doucement. Ça se pique. Mais c'est très bon. C'est le roi des fruits. C'est le roi des fruits? Est-ce que tu connais ce caractère? Très joli, c'est oui. Très joli. Est-ce que tu aimerais un jour apprendre le chinois? Oh oui, ce sera un rêve. D'accord. Un rêve pour Lauriane qui espère que son futur mari chinois lui apprendra la langue. Mais en attendant, c'est avec Monsieur Yu qu'elle prend sa première leçon de calligraphie. Chaque caractère a un sens, c'est comme des petits dessins. Il n'y a pas de lettres comme ABCD en français. Ah, je connais cette lettre, mais que comme ça avec toi. Oui, donc il signifie pays. Il se prononce guo. Guo. Oui, c'est au deuxième ton, il remonte comme à l'eau en français. Guo. Qu'est-ce que tu veux écrire? Je t'aime. Ah, quelle jolie phrase. D'accord. Ça, c'est je, wo. Je t'aime. Oui, en chinois. Et c'est droite, pardon. Voilà, très bien. Oui. Ça. Troisième, c'est celui-ci. C'est un trait vertical, plus un petit crochet à la fin. L'eau. Oh, le point, le point. Oui, le point. Pour les derniers petits conseils d'art de vivre à la chinoise, le professeur entraîne Lauriane au cœur du quartier chinois de Paris. Tu sais, Lauriane, si tu veux être une vraie chinoise, il ne faut pas bouger trop ton corps. Hein? Il faut être bien assise, tiens tout droit, bras comme ça, comme ça. Très bien. C'est dur. C'est dur.
Vous savez, dans l'ancienne Chine, quand les femmes sourient, il fallait pas non plus montrer ses dents. Nos souris, il faut tout légèrement, mais fermer les lèvres. Bravo. Très bien. Maintenant, tu es une vraie chinoise, hein? Et tu t'amuses bien en Chine? Oui, oui, c'était bien aussi. Mais je suis comme toi, tu es une passionnée pour la Chine, mais moi, je suis un passionné pour la France. Ah, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. On se croit en Chine, il y a plein de gens chinois. C'est le plus grand quartier chinois à Paris. On est dans le 13e arrondissement. Regarde, belles robes chinoises. Oh, comme tu es belle, comme une petite prince chinoise. Je suis belle. Oui. Oh, des ombrelles. Oh, c'est très beau. Tu es plus chinoise que des vraies chinoises. Oh, merci beaucoup. Pas mal. C'était bien. Qu'est-ce que tu as appris sur la Chine que tu ne connaissais pas, Lauriane? Ben, qu'il y avait des ombrelles. Et puis, qu'il n'y avait pas de sushi. Ah non, c'est le Japon. Oui. Et puis, j'ai appris le Japon. J'ai appris le drapeau. Drapeau, rouge. Oui, et avec jaune. Des petites étoiles jaunes, une grosse, puis des petites à côté, jaunes. Tu sais où c'est la Chine? Non. C'est assez loin quand même, hein? Oui. Qui s'intéresse à la politique ici? À la politique. C'est quoi ça? La politique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui saurait nous expliquer ce qu'est la politique? Lauriane? Tenir droit, être bien parlé. Oui. Pas bouger trop. Oui. Ben. Il faut diriger aussi. Oui. Diriger. On a Julien d'être aussi. Être poli. Être poli, oui. Julien, où est-ce qu'il est, Julien? C'est toi, Julien? Tu t'intéresses beaucoup à la politique, toi, Julien? Ben, la politique, pour moi, c'est un peu sérieux. À quoi ça sert? Ça sert... Oui, ça sert fort. Non, ça sert... C'est utile? Ça sert à commander la France. Ouais, c'est vrai, ça. Est-ce que tu aimes bien les hommes politiques? Ben, pas si que ça. Pas tant que ça? Pas si que ça. Est-ce que tu les connais? Ben... C'est que... Je connais leur nom. Alors, on va voir si tu les reconnais. Alors, on a des photos. Celui-là, tu le connais? Chirac. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il est bien. Oui. Comment tu le trouves? Je le trouve beau. D'accord. Son costume, son visage? Oui, ils sont bien. D'accord, tu l'aimes bien? Oui. Si vous deviez choisir un président pour la France, tu choisirais qui, Julien, toi? Chirac. D'accord, Merwan, tu choisirais qui, toi? Jamel Debbouze, toi, tu choisirais qui? Moi, je choisirais mon papa. Ah, pas mal. Et toi? Ton papa aussi, tu choisirais qui, toi? Papa? Papa, oh, d'accord. Alors, on va voir si vous connaissez cet homme politique-là, celui-ci. Okay. Celui-là, vous le connaissez? De Villepin? Oui. Oui, moi, je connaissais aussi De Villepin. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense pour lui que c'est un peu un imbécile. Non. Et, pourquoi tu dis ça, Julien? Que tout le monde peut avoir son travail alors que non, il y a des pauvres qui n'ont pas d'argent. Tu regardes les informations? Quoi? Tu regardes les informations? Ben oui, même dans les guignols. Ah ben oui, c'est une notice d'information. Alors, moi j'ai l'impression que tu dis ça aussi sur Dominique de Villepin parce que tu es un peu jaloux. Parce que toutes les filles le trouvent beau. Non, je suis pas jaloux. Mais c'est vrai que toutes les filles le trouvent beau dans ta classe, quand même. Ben non, il est pas dans ma classe, moi. Ah bon? Je dis n'importe quoi, moi, je sais plus où j'en suis.
Mais on dit que les filles trouvent qu'il est beau, Dominique de Villepin. Oui, mais maintenant, elles trouvent que, qu'il est un peu un imbécile. Avec toutes nos excuses et notre respect pour la fonction de l'État, je vous propose de commenter maintenant le visage suivant. Alors, est-ce que vous le connaissez? Ah oui. C'est qui, Julien? Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? J'en pense qu'il est bien. Il est bien. Il te plaît? Il est comme Chirac. Vous savez que c'est les élections présidentielles bientôt, hein? Il va falloir s'intéresser à ça quand même. Il est surtout pas comme Dominique de Villepin. Voilà. Pas facile d'être Premier ministre. Photo suivante. Est-ce que vous connaissez... Ah, Ségolène Royal. Ah, dis donc. Je veux dire quelque chose à Jean-Luc. J'arrive. Oui, Julien. Ben, tu sais, moi, je veux que ce soit mon papa, le... Le président? Oui. Il va se présenter, ton papa? Vous allez vous présenter, monsieur? C'est encore en réflexion? Oui, c'est lui. C'est encore en réflexion pour l'instant. Tu t'intéresses beaucoup aux zones politiques aussi. Est-ce que tu voudrais faire de la politique plus tard? Non. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vendeur de glace et dessinateur de bande dessinée. C'est pas tout à fait pareil, hein. Et pourquoi tu préfères être vendeur de glace plutôt comme politique? Ah, parce que homme politique... J'aime pas parce que ça commande trop la France. Pas facile de commander quand même. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Président de la République, ça t'intéresserait comme métier? Non. Pourquoi? Non, parce que pareil que lui. Pareil que lui, c'est trop de responsabilité. Toi, c'est danseur que tu veux faire. Hein. Depuis l'âge de 1 an, tu aimes aussi les choses qui sortent de l'ordinaire. La danse, les spectacles musicaux. Ton idole dans ce domaine, c'est qui? Chantal Goya. Chantal Goya. C'est pour ça que tu es venu déguisé en arlequin aujourd'hui? Oui. Si j'ai bien compris, c'est les chorégraphies de Chantal Goya que tu aimes bien. Comment tu les as apprises? Je les ai apprises parce que j'enregistre à chaque fois ce spectacle et je répète. D'accord. Tu t'entraînes souvent? Oui, souvent. C'est-à-dire tous les jours? Tous les soirs, quoi. Tous les soirs. Comment tu fais pour t'entraîner? Tu fais ça devant tout le monde ou tu fais ça en cachette? Je fais ça en cachette. Ils peuvent venir. Moi, je fais... Même s'il y a le vent qui me regarde, je m'en fiche. Même s'il y a le... Le vent qui me regarde. Un vent qui te regarde. Tu t'en fiches? Oui. Et quand tu as le trac, quand tu as le trac, tu fais comment? Quand j'ai le trac, je me concentre très, très bien et j'ai plus le trac. D'accord. Et comment tu fais pour te concentrer? Tu peux nous montrer? Tu fais comme ça? Ah, c'est un peu comme Merwan, hein? Faites un petit peu pareil pour vous concentrer. Non, je suis pas trop comme cette tête. Je suis pas comme ça. Tu fais comment, toi? Ben, normal. Décontracté? Voilà, normal. C'est ton rêve de devenir danseur plus tard? Comment tu t'y prends pour réaliser ton rêve? Comment je m'y prends? Ben, je fais plein de spectacles et ils viennent. Et les gens payent? Avec de la fausse argent. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans le fait d'être sur scène? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Ben, c'est pour faire partager mon amour pour la danse. C'est ça. D'accord. Donc c'est du sérieux pour toi la scène, hein? Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de répétition. Shirley Kleinman et Saran Lazarabal ont eu le privilège d'assister à des spectacles que tu donnes. C'est 10 euros, mais on peut payer avec de la fausse monnaie. Attention les fans, la mamie, les amis et toute la belle famille, regardez. Mon affichette est prête. Emmanuel vous fait un spectacle le dimanche 4 juin, 10 euros l'entrée pour voir... Le monde magique d'Emmanuel. Interdit de fumer, manger, boire, bavarder. Merci. Quand j'ai vu à l'âge de 1 an Chantal Goya, je me suis dit waouh, ça c'est pour moi. Je dansais sans même que je me contrôlais. Alors après, dès que j'ai eu 2 ans, je me suis mis à faire des spectacles. Et depuis, je fais toujours des spectacles, toutes les semaines. Mon spectacle, il vaut 10 euros, 300 sons, 10 euros. Et comme je sais qu'après je serai célèbre, bah ça sera beau, ça sera dans les 25-30 euros. Bah maman, je vais faire les affiches. Et chaque week-end, c'est le même rituel. Emmanuel passe son temps à organiser ses spectacles de danse. Il réalise tout de A à Z. Son objectif, devenir une star aussi célèbre que Chantal Goya. Je colle une affichette pour que tous les voisins sachent que je fais un spectacle. C'est fait pour l'ascenseur, maintenant je vais en coller un peu ailleurs.
je colle un peu des assiettes un peu partout parce que j'aimerais que tout le monde puisse y venir et m'admirer. Avant ses spectacles, Emmanuel réquisitionne toute la famille. Il veut tout son clan autour de lui pour le soutenir. J'aime que les gens participent, qu'ils me regardent, qu'ils m'admirent. Ah, en fait, c'est ça. Tu veux qu'on te regarde, qu'on te regarde comme une star. Voilà. Mais t'as pas honte de faire ça devant tout le monde? Non, ça me dérange. C'est plus les filles qui font la danse. Mais... Ouais, c'est un peu les filles. Oui, mais à l'opéra, il y a des garçons et des filles. Ah d'accord, mais toi tu es sûr que tu veux faire ça plus tard? Oui, il n'y a pas de changement d'horaire, non, c'est ça. Si il y en a qui veulent me féliciter, ils me félicitent. Si il y en a qui ne veulent pas m'encourager, ils moi je te félicite. Je t'encourage. Et tu sais, et moi je te dis. Et moi je m'en fiche de ceux qui m'aiment pas. Moi je laisse jamais tomber. Je sais que tout au fond de moi, je vais devenir quelqu'un d'important, une grande star. L'heure du spectacle approche. Emmanuel doit encore régler les derniers détails. Heureusement, sa petite amie est là pour lui donner un coup de main. Ça commence là-bas et c'est très dur à monter. Le décor, c'est un monde réel, c'est magnifique. C'est ça qui compte. Puis vient l'heure où l'artiste se retire dans sa loge. Je suis en train de me concentrer. Je fais évacuer tout le stress qui est dans ma tête. Je me sens bien. J'ai plus le trac, mais non. Salut, bonjour. Allez, sympa d'être venu. Allez, venez vite. Et grâce à maman qui a rameuté les copains, et peut-être aussi grâce aux affiches dans l'ascenseur, le public est au rendez-vous. Emmanuel a laissé des consignes précises pour accueillir ses fans. Voilà, vous avez tous payé votre place, hein, j'espère. Merci. Une place premier choix. Si vous avez besoin de tous vos billets et arrachés. Le billet. Ça coûte cher, hein. Ça coûte cher le spectacle. Le spectacle. Bah attends, c'est cher. Et j'espère que ça va être un beau spectacle. Et maintenant, place au spectacle. Oui. Ouais. Pendant 15 minutes, Emmanuel est déjà la star qu'il rêve de devenir. Parce que j'aime le voir danser, j'aime le voir évoluer, surtout comme ça, dans le spectacle. Il nous fait partager beaucoup de joie. Il a vraiment envie de faire plaisir à toutes les personnes qui viennent le voir à ce spectacle. Et ça lui fait énormément chaud au cœur. Et nous aussi. Merci d'être venu à mon spectacle. Je savais que j'y arriverais comme Chantal Goya. Merci. Bravo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce spectacle? C'est bien, tu trouves? Je trouve qu'il se débrouille bien. Il a bien dansé. Il a bien dansé, toi? Bah, je dis pareil.
qui danse bien et... Et toi, Manon? Très bien. Ouais. Tu as déjà rencontré Chantal Goya? Oui. Tu l'as vue en spectacle? Je l'ai vue en spectacle et aussi elle faisait les... Dédicaces? Oui, et je l'ai vue. Et tu as pu lui parler? Non. Tu aurais aimé lui parler? Il y a quelqu'un qui veut te parler ici, qui est en coulisses. C'est qui? Devine. Je sais pas. À ton avis? Chantal Goya? Chantal Goya, mesdames, messieurs. Viens, allez, là-bas. Bravo ma petite fée, que t'es belle. Bravo mon chéri, que t'es beau toi aussi. Attends, je vais les voir tous un par un. Et toi, ce joli petit fiancé, que tu es beau, hein. Elle vous a vu depuis le début de l'émission, elle était en coulisses. Hein. Fiona. Et toi, cette jolie petite fille aussi. Et toi, tu te rends compte le grand bonheur que tu me donnes, tu te rends compte que tu chantes mes chansons et t'as 7 ans? Et tu as appris à la maison? Il faut remercier toute la famille, hein. Parce que tu sais, je vais dire, moi, un jour, je vais venir te chercher, tu vas venir sur scène avec moi. Hein? T'aimerais bien? Tu viendras sur scène chanter avec moi une chanson? Eh bien, tu dis pas grand-chose. Tu me ferais tellement plaisir, hein, que tu es beau. Allez vous asseoir, Chantal. Hein. Allez magique, vous asseoir. Merci. Belle émission. Allez vous asseoir, j'en prie. Merci, mon petit chéri, toi aussi, mon cousin. Tu as l'air ému, Emmanuel. Hein. Ça te fait quoi de voir Chantal Goya? Ça me fait un grand plaisir. C'est-à-dire? Chaud au cœur. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Emmanuel passionné à ce point? Je suis très émue parce que de me retrouver devant un petit enfant comme ça, qui est magnifique, un grand garçon qui chante mes chansons, qui ont été composées un jour pour des enfants qui avaient ton âge il y a tellement longtemps. Et puis aujourd'hui, tu prends la relève, tu vois, tu fais partie de toute cette génération. Et moi, ça m'émeut beaucoup parce que ce petit garçon fait ça avec sa famille d'une manière tellement spontanée, tellement, tellement adorable. Ce sont des grands poètes, tous ces enfants. Alors, quelques conseils techniques sur la technique d'Emmanuel. Comment faire pour qu'il s'améliore? Déjà, d'abord, tu vas toujours bien travailler à l'école. Hein, c'est important. Tu sais, les petits enfants qui ont chanté avec moi sur scène, en priorité, je demandais aux parents qu'ils travaillent bien à l'école, qu'ils continuent leur école, leur classe. Et puis, c'était une récréation d'être avec moi. Alors c'est vrai que si tu aimes danser, j'ai vu que tu danses bien, hein, tu as du rythme et tu aimes la musique, tu peux aimer toutes les musiques, tu vois. Mais je crois que c'est vrai, s'il y a des écoles de danse où ils peuvent continuer, où ils peuvent continuer à danser, à s'exprimer, c'est très important, on s'exprime sur une scène. Tu sais, sur la scène, j'ai des petits-enfants timides et puis d'un coup, ils sont tellement exprimés qu'ils étaient plus timides à la maison, tout se passait très bien. Mais parce qu'il a le trac parfois, Emmanuel. Qu'est-ce que tu te dis quand tu commences? C'est important d'avoir le trac aussi. Tu te dis des choses, quoi? Oui, je me dis des choses. Tu te dis quoi? Je me dis, allez, je vais y arriver, je dois avoir confiance en moi, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir le trac, vous, Chantal? Moi, j'ai le trac dès que le rideau, je suis derrière la scène avec tous les petits-enfants autour de moi et je serre très fort mes mains comme ça. Et je ne sais pas comment expliquer, ça, le cœur bat très très fort et puis tout d'un coup, dès qu'on est sur scène, on sent que tous les gens, tout le public nous aime tellement que le trac s'en va. Mais c'est important d'avoir le trac parce que c'est l'émotion, tu sais, c'est très l'émotion, c'est ce qui donne tout sur scène après. Tu le sais, hein, tu l'as en toi, je sais. T'as entendu ce qu'elle t'a dit, hein, qu'elle venait te chercher un jour et qu'elle t'emmènerait sur scène avec toi? Ah, mais oui. Attention aux promesses, Chantal. Ah, hein. Je tiens mes promesses, je le ferai. Waouh. Comme je reviendrai au Palais des Congrès, dans la grande salle, tu viendras me voir et je t'emmènerai avec moi. C'est pour quand? Noël 2007, le mystérieux voyage de Marie-Rose avec des beaux décors. Alors, c'est bon? Pardon, mon chéri? J'ai le DVD à la maison. T'as le DVD? Ah, bah alors on se parlera. En plus, c'est un nouveau décor, hein, nous dit Chantal. Oui, il y aura des technologies modernes. Tu verras quelque chose de très beau. Bravo, en tout cas. Merci, Chantal, d'être avec nous. On va donner la parole à Lucas. Où est Lucas? Lucas. Où est-ce que tu es, Lucas? Lucas, comment ça va? Dis donc, tu as bien grandi. Bien. Parce que je t'avais vu à la télévision, moi. Tu as commencé ta carrière de comédien assez tôt. 4 ans. Tu avais 4 ans et tu es devenu célèbre grâce à une publicité. Oui. On va regarder laquelle? Allez, quelques images. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les... Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Ça fait plaisir, Lucas, de revoir cette pub encore, encore et encore. Tu la connais bien pourtant, hein? Oui. Tu as quel âge maintenant? 10 ans. Tu avais quel âge quand tu as tourné cette pub? 4 ans. Qui est devenu le plus célèbre, Maurice ou toi? Je sais pas très bien, on m'appelait Maurice quand j'étais petit. Ah bon? Quand tu as tourné la pub, tu t'attendais à un tel succès? Non. Tu étais surpris? Quand même un peu, mais... Quelles ont été les remarques des autres? Redis-nous la pub, s'il te plaît. Allez, redis-le-nous une fois encore. S'il te plaît. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. T'es bon comédien, Lucas. Tu es toujours comédien? Tu es toujours comédien? J'ai recommencé un petit peu, mais sinon, non. Comment tu as vécu la célébrité à 4 ans et demi? Pour être franc, je m'en foutais royalement. Oui. Mais que les autres te reconnaissent, d'un moment, t'es obligé de faire avec, quoi. Je veux dire, tu peux oui. pas te cacher dans un trou, comment tu... au début, c'était assez sympa, ils me passaient un paquet de chips pour une pub. Mais ça t'a énervé un moment? Oui, parce que pendant 2 ans, on me l'a faite et j'ai pas trop aimé. D'accord. Qui veut devenir célèbre ici, plus tard? Moi. Toi, comme chanteuse d'opéra? Oui. Oui, toi, mais... Comme Jamel Debbouze. Comme Jamel, hein? Et j'ai un cadeau aussi. T'as un cadeau? Oh là là, mais que de cadeaux. Oh là là, mais c'est gentil, tout ça. Alors, on va voir si vous y connaissez en célébrité. Je vais vous proposer de regarder quelques images et vous allez me dire si vous reconnaissez les gens. Les premières photos. Vous connaissez celui-là? Zidane. Bon, tout le monde le connaît. Ensuite. Le père... Le père? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Qui c'est l'abbé Pierre? Tu pourrais nous expliquer? Un abbé qui est assez... spécial. Oui, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il s'occupe des pauvres. Image suivante. Si on fait un dessin... Johnny Hallyday. Vous l'aimez bien? Tu l'aimes bien, Johnny? Non? Ah bon, d'accord. Et toi? Toi, tu l'aimes, Johnny? Toi, tu l'aimes, Manon, Johnny? Non, pas trop. Et toi? T'aimes bien ses chansons? Toi, tu l'aimes bien? Princesse, tu vois la photo? Là, là où, la grande? C'est Johnny Hallyday. Et t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien comme chanson de Johnny? La triste, la fin. Laquelle? C'est la petite dernière. Elle est trop triste, celle-là, je l'aime bien. Tu peux la chanter? Je me rappelle plus. Allez, une autre photo. Tout le monde connaît Jean Dujardin, alors ça... Il a commencé la comédie après le bac. D'accord. Ça t'intéresse, ça, visiblement, hein, Merwan? T'as envie de faire un peu comme lui? Bah oui, attends. Tu fais déjà un peu comme lui? Oui. Mais comment tu fais rire tes copains? Qu'est-ce que tu fais pour les faire rire? Je fais des sketchs. Par exemple, quel genre de sketch? J'ai pas trop envie d'en faire parce que je suis un peu fatiguée. T'es un peu fatiguée, il est un peu tard. Tes blagues préférées, c'est quoi? Mes blagues préférées, c'est ceux de... Des fois, j'en invente sur Jamel Debbouze, sur les blondes. Alors, sur Jamel, dis-moi. Une fois, j'ai inventé, mais je vais pas faire le temps parce que je suis fatiguée. Oui. je t'en sors bien. Ça, en fait, c'est Jamel, il dit... Son nom de famille, c'est Jamel Debbouze. C'est un commissaire, il arrive. Levez les mains, je suis le commissaire Jamel, personne Debbouze. Oui. Ses parents sont là aussi? Oui, ils sont là, ils sont derrière. Alors, où est-ce que vous êtes? Comment vous vivez d'avoir un petit clown à la maison? C'est assez marrant quand même, mais bon, des fois, c'est un peu déconcertant parce que. Il a la manière de dire des choses qui sont des fois avec beaucoup d'humour et puis beaucoup de franchise. Donc, bon, on l'a vu tout voilà. à l'heure. Oui. Parfois, vous êtes un peu gêné. Je pense qu'en fait, il est très, très sensible. Et l'humour, c'est une manière pour lui de vivre les choses quoi, qu'il ressent. Tu penses ça, voilà. Marouane? Ben oui. C'est une question de sensibilité? Oui. Et le look? C'est important, le look, pour toi? Le look, être à la mode? Ouais. Oui, très important aussi. T'aimes bien t'habiller comment? Tu vas pas t'habiller en clochard. Hein. Non, d'accord. Alors, c'est-à-dire? Être beau. C'est-à-dire? Être à la mode. Être à la mode. Hein. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Manon, de ça, toi? Moi aussi, j'aimerais...
J'aimerais bien m'habiller à la mode. C'est important d'avoir un bon look. Oui. Alors, tu as fait une fête là, il y a quelques jours. Oui. Vous parlez beaucoup de look avec tes copines. C'était ta première boum. Oui. Comment t'as demandé à tes parents l'autorisation de faire une boum? Déjà, mon père, ça l'a choqué. J'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas faire une boum? J'ai dit oui, avec les garçons. J'ai dit oui, j'invite 4 garçons. Et il a dit, bon, ça va, 4, ça va. 4, c'est pas trop? Non. Il y avait combien de filles? 5. Alors, vous étiez 5 avec 9. Toi? Vous étiez 9 en tout. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? On a dansé, on a fait des slows avec les garçons. Et alors? Et ça s'est bien passé. Il y avait ton garçon préféré qui était là ou pas? Non. Qui l'a pas invité? Non, mais parce que mes parents ne le connaissent pas. On peut en parler ou on peut pas en parler? Non. On peut pas en parler. Très bien. Alors, c'était la pyjama partie, la première boum. Oui. À quel âge faut-il autoriser la première boum à ses enfants? En ce qui concerne Manon, c'était donc dès 9 ans. Corinne Biesse et Vincent Delmotte y étaient. La chance. Manon a organisé ce soir sa première pyjama party. En petite chef de bande, elle a invité ses meilleures copines à la rejoindre dans sa chambre. Entre filles, elles imaginent déjà ce qu'elles feront plus tard quand elles seront plus grandes. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme métier plus tard? Secrétaire et chanteuse aussi. Et toi? Maîtresse. Et toi? Mon rêve, c'est d'être chanteuse et de gagner la Starac et les sous, qui voilà. C'est ça mon rêve. Et travailler dans la police aussi. Comme mon père. Quand j'étais au CP, on se causait pas, on se parlait pas. C'était la peste, je l'appelais la peste. Méchante. Et mon rêve, c'était en fait que maintenant, ça, c'est ma meilleure amie et ça a marché. Vous pouvez pas le dire, les rêves, normalement. À l'abri des parents, on se raconte aussi des secrets de cœur. Et Anthony, le blond, il t'aime toujours? Ouais. Le blond? Trop. C'est un beau. Ce boudin, là? Qui est William? Pourquoi tu l'aimes pas? Il va bien avec toi, de blond. Qui est William? Mais non, tu connais pas le blond, Anthony. Moi, en plus, il montre son binet, là. Il est... Oh, ta culotte, hein. Oh. Allez, les filles, maintenant, vous dormez. Oh, non. Bonne nuit, les filles. Bisous. Ciao, ciao. Les discussions vont durer tard dans la nuit, mais même avec 2 heures de sommeil, les filles sont toujours partantes pour une séance shopping. C'est trop beau. C'est pas beau, ça voit? On voit la touche comme ça. Ça voit? Ça voit. J'aime bien la mode et j'aime pas trop être habillée n'importe comment. Il y en a qui s'habillent comme des gitanes. Par exemple, le t-shirt, il est pas dans le pantalon. Voilà, et c'est ça, être habillée comme une gitane. Oui, on copie. Les stars, comme ils s'habillent. Vous avez toutes les mêmes goûts? Oui, moi et Carla surtout. Moi aussi, hein. Ouais, toi ça va, mais avec Carla, on a les mêmes goûts, hein, Carla? C'est pas des filles pour rien, hein? Non. Voilà. Voilà, là c'est bien. Waouh! C'est pour plaire à qui? Tout ça? Aux garçons. Aux garçons. Ça commence déjà? Vous avez le temps, avec 9 ans, quand même. Aujourd'hui, c'est pourtant un grand jour. Manon organise une boum. Il y aura justement des garçons, ce qui vaut bien un petit tour chez le coiffeur. Pendant que papa et maman préparent le salon, séance de maquillage, même les plus petites veulent être au top. Tu te regardes souvent dans la glace? Ouais, tous les jours. Et tu te trouves comment? La belle. Enfin, boum. Belle partie.
Les hommes sont là, la boum peut commencer et Manon a bien l'intention de se trouver un cavalier. Et quand les slows n'ont pas suffi, les filles ont une botte secrète pour obtenir un bisou, une partie d'action ou vérité. Comment ça s'est terminé cette boum? C'était super. C'était super, ça a commencé à quelle heure? 15h. 15h, ça a fini à quelle heure? 18h. 18h, ça va, c'est un peu raisonnable quand même. La permission de 18h. Vous êtes bien amusé? Oui, super. Qu'est-ce qui était le plus amusant? C'est surtout la bouteille. Le jeu action ou vérité? Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? De faire des bisous. Et de dire les mensonges, De pouvoir raconter ce qu'on veut, quoi. Voilà. Un petit peu. Alors, vous parlez beaucoup de garçons avec tes copines, hein? Ah oui, beaucoup. Est-ce que les garçons parlent de vous aussi? Oui, il y en a qui nous trouvent sexy, qui nous trouvent belles. Il y en a qui nous trouvent pas trop belles. Pas trop belles. Ma copine. Vous, vous faites pas beaucoup de cadeaux aux garçons, hein, physiquement. C'est un peu dur, hein? Oui. Pas de pitié pour les croissants, hein? Non. Non. Toi, il faut qu'ils soient comment, alors? Musclé, une belle tête, brun, des yeux marrons. Dans les célébrités, par exemple, tu aimes bien qui? Aucun. Aucun? Donc l'homme parfait reste à trouver, quoi? Voilà. D'accord. Là, toi, tu parles beaucoup de la beauté extérieure. Qu'est-ce que tu penses de la beauté intérieure? Pour moi, c'est qu'elle est belle. Belle dans le cœur? Oui. Anouk, comment tu pourrais nous expliquer ce qu'est la beauté intérieure, toi? Pour moi, c'est quand on est sympa, qu'on a du cœur, qu'on pense pas qu'à nous. Qu'on est généreux? Qu'on est sensible? Sensible, pas forcément, mais qu'on est sympa, quoi. Qu'on pense à nous, aux autres. Oui. Comment tu as découvert l'opéra? Parce que c'est très original pour une jeune fille de ton âge. Merci, c'est vous qui l'avez fait toutes les deux? Oui. Merci beaucoup. Eh bien, avec mon échange en Allemagne, je suis allée voir La Flûte Enchantée et j'ai découvert ça et ça m'a fait... Tu chantes très bien en allemand, vraiment, je te félicite, tu as très bien chanté tout à l'heure. Merci. Tu parles d'autres langues, tu voudrais parler d'autres langues? Oui, j'aimerais parler toutes les langues du monde et aussi le chinois. Eh oui, tu voudrais en apprendre combien alors? Un peu toutes celles du monde. J'aimerais bien refaire un échange, mais aux États-Unis, en Angleterre. Et comment ça te vient, cette passion de voyager, de découvrir les autres? Eh bien, ça me fait envie de découvrir d'autres personnes, pour voir la différence entre nous, pour voir leur personnalité. Parce que ça, c'est une passion aussi pour moi d'apprendre d'autres langues. Tu arrives à trouver des enfants de ton âge qui ont les mêmes passions que toi? Moi, j'en cherche pas non plus, donc... T'es toute seule? Non, je suis pas toute seule, mais moi, ça m'est un peu égal ce que les autres pensent de moi. Moi, j'en ai complètement rien à faire. Du moment où moi, j'aime bien ma personnalité, que j'assume mon désir et que je peux faire ce qui me plaît. Ça te suffit pour être bien dans voilà, ta peau? Pour bien mettre les limites. Si du moment où il y a des limites, comme par exemple, c'est comme si, je sais pas moi... c'est comme s'il y avait une ligne qu'il fallait pas dépasser. Et faut pas entrer dans ton intimité, voilà. Quoi, c'est ça? Mais c'est un peu triste de pas avoir d'amis, comme tu as des amis? Si, oui, ouais. J'en ai plein, mais ouais. Ils ont pas forcément les mêmes goûts que moi. Comme par exemple une fille qui s'appelait Emma. Elle m'a demandé de chanter une chanson, je lui en ai chanté une. Elle m'a dit, tiens, tu vas être chanteuse plus tard, en pensant que je voulais être une star. Moi, je lui ai dit chanteuse d'opéra, elle a ricané. Pour moi, ça m'a rien fait. Mais parfois, tu sais, on aime bien les gens qui nous ressemblent et parfois, on aime bien les gens qui sont très différents de nous. Oui. Parce qu'on se complète.
Ça, c'est pas mal aussi. Hein. On a parlé de super pouvoirs tout à l'heure. Si toi, tu avais des super pouvoirs magiques, qu'est-ce que tu changerais? Un peu rien. Je pense que je changerais rien parce que la vie, elle est bien comme elle est, je trouve. Pour tout le monde? Tout le monde, non. Pour les gens pauvres, c'est vrai que je changerais quelque chose. J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Bah, leur donner de l'argent, faire qu'ils soient. Contre le racisme? Ouais. Faire qu'ils soient heureux, que tout le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus. De gens pauvres. Comme ça. Mais tu es toujours comme ça, drôlement sérieuse? Oui. Ou parfois tu rigoles un petit peu quand même? Enfin, des fois je rigole aussi un petit peu. Mais en tout cas, tu as des grandes idées, hein, des préoccupations. Mais Antonin, qui est comme toi aussi, où est-ce que tu es, Antonin? Merci, Dark Vador. Où est-ce qu'il est, Antonin? Ça va, Antonin? Oui. Toi, c'est la pollution qui t'énerve beaucoup, quoi? Oui. C'est-à-dire? Faudrait arrêter de faire tout ça. Arrêter de faire tout quoi? De jeter tous ces papiers, tout ça par terre, quoi. Chante-nous la chanson que tu as écrite là-dessus, sur ce sujet. Les déchets, c'est pas bien, surtout quand on pollue. Les déchets, c'est pas bien, surtout quand on pollue. J'en ai marre de ces déchets, bien sûr c'est tout par terre. J'en ai marre de ces déchets, bien sûr c'est tout par terre. Les déchets, c'est dans l'eau. Bien sûr, ça ne me plaît pas. Les déchets, c'est dans l'eau. Bien sûr, ça ne me plaît pas. Bravo, Antonin. C'est par terre, c'est dans l'eau. Parfait. C'est toi qui l'as écrite, cette chanson? Oui. Bravo, félicitations. Voilà quelqu'un qui se préoccupe du monde. On dirait du Renault. On dirait du Renault, absolument. Ouais. Conclusion de cette émission, Jean-Paul Roux vient nous rejoindre. Allez. Sous les encouragements du 102, mesdames, messieurs, pour cette dernière émission de la saison. Alors d'abord, je remercie Chantal Goya. Merci beaucoup d'être venue faire une surprise. C'était une belle surprise, non ? Ça fait un plaisir. Hein ? Mais je vais tenir ma promesse. Hein. Ah oui, elle va tenir sa promesse. Ah oui. Voilà, donc Chantal Goya qui sera donc au Palais des Sports, au Palais des Congrès à partir de décembre 2007. Alors, ce film, Nos jours heureux, avec le directeur d'école, ouais, est sorti aujourd'hui. Ça t'a rappelé le tournage ? Ah oui, ça m'a rappelé le tournage. Ils sont incroyables. Et en plus, ce qui est génial, c'est pareil, sur le tournage, j'avais remarqué ça, c'est qu'on voit déjà, on s'imagine les adultes que ça va devenir. Il y a tout déjà, tout en devenir. Mais je les ai trouvés quand même assez sages tous, dans leurs envies, et surtout dans leurs relations amoureuses. Ils sont magnifiques, le petit couple et tout, là. Ils ont prévu de se marier, tout est planifié. Alors je me demande si ça vient de l'école et avec toutes les familles recomposées et tout, et que les enfants ont envie de recréer quelque chose comme ça au début, de solide, dès le départ, je sais pas. Mais leur imagination, à part l'agent secret, ça que je respecte, hein, les agents secrets, je respecte les agents secrets, mais sinon, c'est marrant, je les trouve assez sages. C'est étonnant. Ils sont assez fleurs bleues, avec les filles qui veulent toujours évidemment des câlins, des bisous, les garçons qui s'en foutent. Ouais. Ça change après. Hein. Ça change après, ça change, et après ça redevient comme ça. Ouais, il y a une étape intermédiaire, hein, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, le petit, toi, Emmanuel. Emmanuel. Ça, c'était magnifique. Le regard de ce gamin quand Chantal Goya est arrivé, c'était magnifique, tes yeux. Et à cet âge-là, on ne peut pas savoir ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont faire comme métier. Mais toi, t'es tout petit, et ben pourtant, je suis sûr que tu vas faire ce métier, tu seras artiste. Parce que t'en parles bien et t'en parles comme moi, comme j'en parlerai, comme quand t'en parles quand t'es adulte. T'as déjà compris plein de choses. Et il y a ça dans ton regard, il y a un regard d'artiste. C'était super beau, ça. Tes parents, ils t'ont dit que quand tu étais petit, t'étais déjà un mini-toi? Ah oui, j'étais un mini-mi, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est pareil, j'étais un peu comme lui, je voulais déjà faire ça, moi. Mais je voulais pas être connu. Alors ça, par contre, ça, c'est un truc de la télé d'aujourd'hui. La télé-réalité, notamment. Ouais, ils veulent tous être connus. Mm. Je veux être célèbre, je veux être célèbre. C'est un drôle de truc, ça. Mm. J'espère que ça va leur passer. mais oui, ouais, j'étais un peu comme ça, oui. Je voulais... je voulais qu'on me regarde, quoi. Il y a ça, le truc du gamin. Ah bah, il y a un peu de célébrité là-dedans, un peu de désir de reconnaissance, en tout cas. Ouais, mais pas dans le même sens, pour d'autres raisons. Pour être aimé, pas pour être connu, simplement le fait d'être connu, pour une raison artistique, soit son travail. Pour être aimé, pour ta personnalité propre. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Emmanuel? Tu iras sur scène avec Chantal Goya? Très bien.
Alors avant de terminer cette émission, mesdames, messieurs, un tout petit peu d'attention, je sais qu'il est tard, je vous propose un hommage au mythique studio 102 de la Maison de la Radio dans lequel nous sommes ce soir et dans lequel nous sommes maintenant depuis 12 ans pour l'émission Ça se discute. Un hommage puisque ce studio, c'est notre dernière émission en fait ici, c'est d'ailleurs la dernière émission de télévision qui est faite ici puisque dans quelques instants, ce studio qui a presque 40 ans va fermer, ce ne sera plus jamais un studio de télévision, ça deviendra un grand auditorium. Pour nous, c'est quelque chose d'assez terrible, enfin, depuis que je fais Ça se discute, c'est ici que ça se passe. Beaucoup d'autres émissions ont été faites ici avant nous, avec Michel Drucker, avec Guy Lux, avec Claude François, avec Christophe de Chavannes, qui a fait aussi ici Coucou c'est nous et Sienne Montmardi. C'est beaucoup d'émotions, alors on a voulu rendre un peu hommage à ce studio qui nous a donné tant de bonheur pendant ces 12 années. Je vous propose de regarder ce petit reportage. À l'aise. Et ça n'existera plus, quoi. Ça fait mal au cœur. Depuis une quarantaine d'années, les plus grands se sont succédés sur le plateau du mythique Studio 102. Amis téléspectateurs, spectateurs du théâtre 102, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Sophie. Bonsoir Guy, bonsoir à tous. Et avec les mouchachos. Animateurs, techniciens, artistes, tous ont contribué chacun à leur manière à faire vivre l'âme de ce lieu unique. Une sainte, Simone Garnier. C'est un petit pincement au cœur le fait que ça ferme. Bah oui, je vais raconter ça à Jean-Jacques, il va être triste parce que c'est pour nous, c'est la télévision, c'était ici. Et il y aura l'âme de Coluche qui courra dans les studios, celle de Luluron aussi, tous ceux qui sont venus ici un jour. Et si les artistes regrettent déjà la fermeture du studio, pour les 800 personnes qui composent le public, la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre. Si beau studio fermé ? Non. Ce studio, bah, il manquera beaucoup. Il était formidable. C'est pas vrai. Non, c'est pas Est-ce vrai. Est-ce qu'il va fermer ? C'est une blague. Ce que le public ne voit pas quand il vient sur le plateau, Stéphane Champenois, qui travaille ici depuis 13 ans, nous le montre ce soir. En sous-sol, un véritable dédale de couloirs, de câbles et de canalisations. Donc là, on est dans les coulisses. Il faut savoir qu'il y a aussi un abri, un ancien abri anti-nucléaire. Tout ça, c'est des anciens, c'est des abris qui datent des années 60. Elle est pas mal, cette petite balade, non ? Non, enfin si, ça continue. Après ça continue. Allez hop, on repart de l'autre côté. Je croyais un peu dans un sous-marin. Hein ? Regarde les tuyaux, regarde l'autre côté. Écoute le bruit. Il y a même une salle de sport un peu plus loin en bas, en dessous, au sous-sol. Mortel. Salut. Jean-Luc, c'est bon, on est prêt. Ah, c'est fini, ça y est. Ouais. Oh non, comment ça? C'est la dernière qui va pas changer d'avis? Non. Vous commencez à démonter à partir de quand? Le 5 juillet. Ouais. Ça, on n'aurait pas dû. Il m'a eu, c'est pas juste. C'est dur pour nous, pour ces excuses, c'est dur pour tout le monde, je trouve, pour la télé, même parce que c'était vraiment un studio mythique. Un des derniers, après les buts de Chaumont, après Cognac j'ai, voilà, plus de 102. On va changer de maison. Donc la dernière fois qu'on passe dans ce couloir, il fallait bien une dernière, de toute façon. Une dernière au 102. Bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour notre dernière émission dans ce studio. Non mais c'est vrai, hein, ça nous fait de nous, ça nous touche, ça fait des années qu'on est là, donc merci de nous avoir suivis si longtemps. J'espère que vous continuerez à nous suivre partout où on ira. Oui. Prêt pour la DR? La DER avec beaucoup de tristesse, Jean-Luc. Tu sais ce que ça va devenir, toi ? Un grand auditorium pour des concerts, je pense, de musique classique. Donc, il n'y aura plus de télé ici. Il n'y aura plus de télé, hélas. On a fait Coucou, c'est nous, ici, mais surtout 12 saisons, et 12 saisons de Ça se discute. Je suis très ému. Ouais. Allez, bonne émission. À vous aussi. 5, 4, 3, 2... Ah, top, 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 c'est parti, génial.
Ok, Bruno, de l'antenne, élargis au plus large, s'il te plaît. Top pour Jean-Luc. Merci de votre attention. C'est des moments qui ne sont pas faciles. On se retrouvera donc à la rentrée dans un autre lieu. Tout va changer. Désormais que le 102 ne sera plus. Merci en tout cas de tout ce que vous nous avez apporté ici. Et merci à tous les techniciens, tous ceux qui travaillent ici, à Fernando, Fernanda et tous les autres. Je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée dans un autre lieu. Ce sera forcément différent. Merci d'avoir été avec nous tout ce temps-là. Bonsoir. Pour de prochaines émissions, nous recherchons des témoignages. Vous êtes surendetté et vous voulez vous en sortir. Vous avez vécu avec un ou une mythomane. Vous êtes un hooligan ou un skinhead repenti. Vous avez une relation amoureuse avec votre prof. Enfin, vous avez aidé une femme à accoucher. Contactez-nous au 01 53 84 30 55.